Premièrement, nous allons définir qu'est-ce que l'apostasie. Je suis carrément certain que beaucoup veulent avoir la définition de l'apostasie, ce que signifie l'apostasie. Pour ceux qui sont en train d'écrire, nous allons écrire en même temps, expliquer pour la grâce de Dieu. Amen. Alors que je serai en train d'expliquer, nous allons par la grâce de Dieu suivre ce qui en est de la définition de l'apostasie. Alors, l'apostasie vient du grec apostasis, qui signifie, c'est scindé en deux mots, il y a apo, qui signifie loin d'eux, ce qui est à l'écart. Donc, loin d'eux, quelque chose qui est à l'écart. Et il y a stasis. Stasis, c'est, signifie mettre debout. Quelque chose qui est mis debout, quelque chose qui est fixé, action de déposer quelque chose. Donc, quand on voit stasis, c'est le fait que quelque chose qui est debout, quelque chose qui est resté fixe, quelque chose de fixe. Maintenant, les deux termes apostasis signifient quelque chose qui est fixe, mais qui est d'aussitôt mis à l'écart. Amen. Alors, donc par là, apostasie, c'est loin de l'état de départ. Donc, c'est quelque chose qui était prévu, mais qui, au départ, c'était comme ça. Et bien après, cela a été changé ou cela a été modifié. Donc, on voit dans ce mot le rejet, le fait d'être rejeté, divorcé, repoussé, réparation, d'avec quelque chose, prendre des distances. Donc, apostasie, ça signifie prendre des distances. Quelque chose qui est devenu loin de nous. Alléluia. Et l'apostasie est l'abandon complet et public de la foi et de la sainte doctrine de Jésus prêchée par les apôtres et des prophètes. Vous savez, ce qui nous lie, c'est pas parce que nous sommes en train de dire le nom de Jésus. Ce qui nous lie, c'est la doctrine. Et dans l'apostasie, il y a le fait que la doctrine est mise à côté, la doctrine est bafouée. Donc c'est quelque chose qui était au départ fixe, mais cela a été renversé. Et vous allez voir dans Éphésiens, la Bible dit « L'Église est bâtie par le fondement des apôtres et des prophètes. » L'apostasie est l'action de mettre à l'écart ou de détruire des fondements de la foi chrétienne en présentant un autre enseignement que celui de départ. J'aimerais dire la meilleure façon de combattre un enseignement, c'est présenter le véritable enseignement. Vous savez, les banquiers, on ne leur apprend pas un faux billet, on leur apprend le vrai billet. Le jour où ils seront en possession du faux billet, c'est là qu'ils sauront qu'il y avait un vrai billet quelque part. Et la meilleure façon de combattre l'apostasie, c'est de présenter le véritable évangile ou la véritable doctrine. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Timothée 4, 1, la Bible dit, dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi. Donc, j'ai dit tout à l'heure que apostasie, c'est abandonner la foi. Donc, maintenant, en quoi cela nous concerne et en quoi cela est lié au temps de la fin? C'est ça la grande question. Nous avons compris qu'apostasie, c'est quelque chose qui a été placé, mais qui a été déformé. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens qu'il faut d'abord que l'apostasie arrive. Avant que Jésus ne vienne, il faut d'abord qu'il y ait apostasie qui arrive. Et par là, nous comprenons que l'apostasie est un signe majeur du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le retour de notre Seigneur ne consiste pas dans les guerres seulement, mais c'est aussi par le rejet ou l'abandon de la sainte doctrine. Et parmi l'abandon de la sainte doctrine, nous avons ce qu'on appelle par le mariage célébré, le mariage homosexuel célébré à l'église et accepté à l'église. Vous voyez ici sous l'image, il y a un bishop qui est là, qui est en train de bénir le mariage de deux hommes. Vous savez avec moi que Dieu n'est pas contre le mariage. Je sens une forte présence de Dieu alors que je serai en train de parler, le Seigneur va toucher beaucoup de personnes. Le mariage homosexuel est un mariage contre nature. C'est un mariage entre deux personnes de même sexe. Dieu n'a jamais été contre le mariage. Dieu n'est pas contre le mariage. Puisqu'il est celui qui a institué le mariage dans Genèse 2. Mais le mariage est institué par Dieu entre l'homme et la femme. En tout cas, quel que soit mon onayo, le mariage homosexuel, c'est une abomination devant le Seigneur. Et l'Église aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent l'anglophonie comme un modèle. J'aimerais dire que Jésus n'a jamais sauvé de l'église francophone, l'église anglophone. Jésus a sauvé l'église. L'église a sauvé l'église mangalophone, kitubaphone, mbochiphone, ou bien larifone aussi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc je disais tout à l'heure que l'apostasie, c'est le fait qu'il y a des enseignements qui n'ont pas été, selon le plan de Dieu, cela est contre la volonté de Dieu. Alors, nous allons suivre une vidéo dans une église au Brésil, une église des gays ou des homosexuels.
Nous allons voir dans cette église comment est-ce que un pasteur et son collège et des chantres sont des homosexuels en train de célébrer. Et cela est constitué l'apostasie. Nous allons suivre, c'est juste une vidéo de une minute. Il n'y a pas le volume. Voyez, ils sont tous, il y a des homosexuels. Tout ça, ils sont des homosexuels. Et ils sont dans une église. Ils viennent dans l'église pour célébrer le Seigneur. Le pasteur est homosexuel, l'interprète est homosexuel. Et cela se passe. Ce qui prévaut, c'est l'amour, et la parole de Dieu dit qu'il n'existe pas de loi contre l'amour. Donc pour nous, l'amour entre deux personnes du même sexe n'est pas condamnable. L'amour entre deux personnes qui vivent dans la fidélité est béni par Dieu. J'ai été pasteur pendant 4 ans au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et puis je me suis détachée à cause de mon orientation sexuelle. Je n'y croyais plus, je pensais que tout était... Vous voyez ? Donc c'est un pasteur qui célèbre. Et ça, c'est un signe majeur qui atteste que Jésus est en train de revenir. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je crois que ce soir, on va décoller au nom de Jésus. Nous allons maintenant suivre, juste là, juste la même vidéo. Ça va continuer. Nous allons voir dans une église évangélique. On peut mettre play, s'il vous plaît. Voilà, même là, c'est bon. Ici, c'est en anglais, mais je vais interpréter rapidement ce qu'il va dire. Ici, c'est, vous voyez le drapeau qu'il a porté, c'est le drapeau des LGBT. Je sais que beaucoup demandaient LGBT, ça veut dire quoi? On va définir ça tout à l'heure. Mais c'est l'arc-en-ciel, c'est le drapeau des LGBT, c'est des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels. Donc ça, c'est un pasteur qui est gay. Et il est dans une église, il va parler. Et vous serez surpris que quand il est en train de parler, il y a des gens qui vont pleurer. Et les gens vont pleurer parce que vous savez, aujourd'hui, les gens, même à Tumsu, Bakoué en église, Bakoué en émotion. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les touche. Une chanson qui les réveille comme ça. Les émotions ont tué beaucoup le sacré. Et ici, il y a ce pasteur qui est en train de parler. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous allez simplement suivre. Il est en train de parler dans une congrégation de pasteurs. Il est en train de dire que son évangile, il s'est approché des gays. Dans leur église, on les a interdit de s'approcher aux gays. Mais quand ils s'approchaient, il leur a dit que Jésus vous aime tel que vous êtes. Et lui-même, il est homosexuel. Après, il se dit qu'il était tellement in our church, as someone who is gay and goes to the least religious college in the U.S., my evangelism on campus has grown. We have brought people to Jesus because they said they have not heard this message before. They didn't know God could love them because their churches said God didn't. Il dit que dans leur église, on a dit que Dieu n'aime pas des homosexuels. Mais lui, quand il s'est approché des homosexuels, il leur a dit que Dieu vous aime ainsi. Et voilà, lui-même aussi, il est gay. Et c'est ça son type d'évangélisation. Vous savez, le fait n'est pas de prêcher Christ, mais c'est de rester dans la doctrine. Nous n'allons pas prêcher Jésus. Nous n'allons pas célébrer des mariages homosexuels au sein de l'Église du Seigneur. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est devenu comme... tous les jours, ça se passe comme ça. Et il est là, il est en train de parler. On continue encore. Church, which brings Jesus to people who are told can't be loved, that's the Methodist Church that I love, and I want to be a pastor in one day. Pastor and un we jour. Are stronger together nous than we are plus et à jamais. Donc, les gens sont en train de pleurer. Et quand nous, l'Église, nous voyons ces choses, c'est pas des choses à simplement être là en train de rire. La raison pour laquelle je dis, il y a certaines blagues ou certaines même, Masolo Missus, il ne faut pas que nous les chrétiens, on se mette à rire. Vous allez voir quelqu'un, je ne sais pas si en RDC, il se fait passer pour Jésus, il recite des versets bibliques et il chante ça contre nature. On l'appelle si Jésus. Et c'est des choses qu'aujourd'hui les chrétiens se mettent à rire. Vous pouvez faire ça à Mahomet dans l'islam. Vous prenez leur prophète et vous caricaturez ou bien vous êtes en train de faire des blagues. Ils ne vont jamais accepter ça. Et aujourd'hui, vous avez vu, dans cette église, on applaudit, on les applaudit. Et simplement, il y a même les personnes qui vont pleurer. Alors, nous allons suivre encore ce qui arrive.
in our church as someone who is gay and goes to the least religious college in the US, my evangelism on campus has grown. We have brought people to Jesus because they said they have not. Amen. Nous allons suivre ce qui arrive. Alors, deuxièmement, le masque homosexuel, je vais parler de ça. Deuxièmement, c'est la montée des faux Christ et des faux miracles. Le Seigneur, dans sa parole, nous a énormément averti sur le fait qu'au temps de la fin, il y aura l'apparition de beaucoup de faux Christ. Et la Bible nous montre clairement que le diable opère de grands miracles. Amen. L'apparition de faux Christ. Et l'apparition de faux Christ est un grand signe du retour de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas de faux Christ actuellement? Il n'y a pas de faux Christ actuellement? Beaucoup de faux Christ, des gens qui se font passer pour Christ ou qui se font passer pour un sauveur. D'abord, la première des choses, c'est de définir ce que signifie Christ. Christ signifie le oint. Celui qui a été envoyé, c'est lui le choisi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font appeler choisis. Ils ont une mission bien précise. Vous allez voir en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un certain prophète qui est là, il est même arrivé, je crois, en RDC, je crois qu'il était en RDC là-bas, un apôtre, Mama, quelque chose comme ça. Ils ont un message, c'est, j'ai oublié le nom, les Kakouismes, quelque chose comme ça. C'est des gens qui disent que pour être sauvé, il faut croire au message de ce prophète. Donc lui, il se fait passer pour un faux Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Parce qu'il se fait appeler comme étant quelqu'un qui est envoyé ou qui est choisi par Dieu. Et ça, c'est un des signes majeurs qui atteste que Jésus est en train de revenir très bientôt. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, nous, on n'a pas besoin, pour nous, Christ, on n'a pas besoin de le voir au travers d'une statuette. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. On n'a pas besoin de voir Jésus au travers, je dirais même, un chapelet. On n'a pas besoin de voir Jésus au travers quelque chose de palpable. J'irai encore loin, on n'a pas besoin de voir Jésus au travers d'une photo. On n'a pas besoin d'une photo pour croire que Jésus est notre Seigneur. Oh, est-ce que je peux monter avec vous? Les apôtres étaient avec, les disciples à Emmaüs étaient avec Jésus. Et quand ils étaient avec Jésus, Jésus parlait avec les disciples d'Emmaüs, mais ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore vu la photo de Jésus. Et Christ, quand il arriva avec les disciples, il fallait qu'ils prennent le pain et qu'ils coupent, qu'ils rampent. Et là, ils ont vu Jésus. Par là, nous comprenons la photo de Jésus, c'est quand le pain est coupé. C'est quand le pain est coupé qu'on peut voir Jésus. Or, le pain, c'est la parole. Quand la parole est expliquée, c'est là où on voit Jésus. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Et le serviteur d'Abraham est en train de faire un grand travail. Parce que Rebecca a aimé Isaac sans l'avoir vu. Il a aimé Isaac parce que le serviteur d'Abraham avait expliqué comment est-ce qu'il était. Par là, nous comprenons le serviteur d'Abraham et l'image du Saint-Esprit qui est en train de dessiner la face de Jésus. Et afin que nous, Rebecca, quand nous montons, nous allons voir Christ dans les airs. Nous allons dire, c'est lui notre Isaac. La photo de Jésus, c'est les Écritures. Quand les Écritures sont expliquées, c'est là où le peuple voit Jésus. Est-ce que Jésus peut être expliqué ce soir? Est-ce que Jésus peut être expliqué ce soir? Donc les faux Christ, c'est des gens qui se font passer pour des sauveurs. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et il y a aussi des faux miracles. Et ça, c'est l'apparition et l'un des signes majeurs du fait que Jésus est en train de revenir bientôt. En parlant des miracles, il existe aujourd'hui des pasteurs qui payent des gens pour des miracles. J'ai suivi des vidéos où il y a des gens qui se font payer pour que Balaksalwa Babixibang. Et ça, c'est l'apostasie, c'est réduire Dieu à de petites choses. J'ai connu un frère, le frère Châtier, là, personnellement. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Je crois, Babi Makiona, je crois que c'est ça en lingala. Hein? Makiona, non? Il fait quoi? Il rentre dans ton Facebook, je ne sais pas comment il fait, mais il rentre dans ton Facebook. Après, dans ton Facebook, il prend toutes les informations précises dans Facebook, surtout les gens qui utilisent beaucoup Facebook. Et quand ils arrivent sur la chair, à Simba, récupérer tellement. Hein, par rapport à ton Facebook, de dire ceci, 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 là. Et toi, si tu te dis, tu dis Amen. Amen. Le prophétique existe, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui utilisent des pratiques qui ne sont pas bonnes pour simplement pervertir le peuple de Dieu. Il y a des fausses guérisons. Il y a des gens aujourd'hui
Moi, j'en ai déjà vu quelqu'un, mon petit frère Day est là présent, qui est arrivé un jour chez nous à la maison, parce que notre père, ça date aussi, est quelqu'un qui un jour, il avait appelé des gens, ils étaient en train de prier, ce gars-là, je ne sais pas comment, il avait pris un serpent, Nassak Naye, après, il a fait sortir le serpent, mais personne n'avait vu comment il avait fait sortir le serpent. Après, il dit que non, c'est le serpent qui était ici. Il a pris le serpent pour montrer que non, je dois tuer ce serpent-là. Vous voyez, aujourd'hui, les gens utilisent des fausses guérisons pour marquer leur ministère. Moi, je crois au Dieu de la Bible. Je ne crois pas à un Dieu qui est là, qu'on doit utiliser, qu'on doit trafiquer. Le Dieu de la Bible guérit. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent des fausses guérisons et pour faire avaler à Dieu quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et ça constitue un des signes majeurs que notre Seigneur revient bientôt. Nous allons voir l'autre signe majeur, c'est l'œcuménisme. L'œcuménisme. Beaucoup vous êtes simplement demandé c'est quoi l'œcuménisme. L'œcuménisme, voici la définition, c'est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme. En dépit de leurs différences doctrinales avec projet-il l'unité visible des chrétiens, la doctrine est mise à côté. Et que l'œcuménisme, la première définition, c'est le fait que les églises ou les courants du christianisme se détachent et en fait ce qu'on appelle une assemblée pour discuter sur le fait que nous tous, nous sommes des gens de la même maison. Après, cette définition a un sens beaucoup large qui signifie le fait que toutes les religions du monde se rassemblent. Et j'aimerais vous dire ceci, que l'œcuménisme est un signe très majeur qui prouve que notre Seigneur revient très bientôt. L'œcuménisme, j'aimerais dire quelque chose que nous tous ne prions pas le même Dieu. Qu'on ne vous montre pas. Nous, avec des musulmans, des bouddhistes, nous ne prions pas le même Dieu. Nous ne prions pas le même Dieu avec certaines religieuses. Nous ne prions pas tous le même Dieu. Et par là, le christianisme, l'œcuménisme, c'est le fait qu'on rassemble toutes ces doctrines-là et toutes ces religions, on ramène ça au fait que nous tous nous prions le même Dieu. Et aujourd'hui, il y a même le fait qu'on a dit le respect de la religion d'autrui. Il faut respecter la foi des autres. Et ça signifie qu'on peut rester nous tous ensemble tous au bon de l'ensemble. Et ça, j'aimerais vous dire que c'est quelque chose qui est condamnable. Dieu est contre l'œcuménisme. Je vais vous donner beaucoup de raisons. Mais l'œcuménisme, j'aimerais définir, il y a un homme qu'on appelait Michael Gorbatchev. Je sais que je me suis trompé, je crois, d'orthographe. J'ai écrit comme ça, Michael Gorbatchev. C'était un très, très grand homme politique russe qui a écrit un livre Perestroïka. Dans le livre Perestroïka, il a eu à dire quelque chose, qu'il y a trois causes de la guerre. Un peu plus en mots. Il y a la cause politique, la cause économique et les causes religieuses. Les trois principales causes d'une guerre. Donc dans une guerre, ou soit c'est politique, ou soit c'est économique, ou soit c'est religieuse. Dans politique, on a aussi ethnique et beaucoup de choses. Et Michael Gorbatchev, dans son livre, il propose trois solutions. Premièrement, pour lui, pour éviter qu'il n'y ait plus jamais de guerre, il faut qu'il y ait trois choses principales. Qu'il y ait un gouvernement mondial, qu'il y ait une économie mondiale et qu'il y ait une religion universelle. Et il prophétise exactement trois choses comme ce que la Bible prédit dans Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13, du premier verset au huitième verset, on parle d'un gouvernement mondial. La bête qui monte, on parle du gouvernement mondial. Ça veut dire qu'il y aura un gouvernement mondial. Deuxième des choses, dans 11-14, on parle de la religion universelle ou la religion unique. Le fait que toutes les religions s'assemblent. Et au 16-18, on parle du système mondial, du système économique mondial, autrement dit de la marque de la bête, qui est l'économie mondiale. Donc Gorbatchev, il propose trois choses que la Bible a prophétisées ou avait eu à prophétiser. Vous savez que la plupart de ces personnes-là sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Et leur mission, c'est simplement de faire le tout possible de préparer la montée de l'Antichrist et de son gouvernement mondial. Donc cela signifie le fait que
quand toutes les religions se rassemblent, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas bon. C'est un signe qui prouve que Jésus est en train de revenir. Quand vous voyez les religions se rassembler, aux États-Unis, les religions se rassembler sur la base selon laquelle tous nous prions le même Dieu, c'est faux. La Bible nous montre que la religion de l'Antichrist, ça sera ça. Ça sera une religion unique qui va rassembler toutes les religions du monde. Du faux prophète. Et tout cela, c'est au nom de l'amour et de la sûreté. Il parle toujours de l'amour. Une fois, j'ai suivi un truc où le pape disait même aux évangéliques, il disait, je m'ennuie de vous. Je m'ennuie beaucoup de vous. Comme Joseph qui disait à ses frères. Il veut revenez. Il parle comme un agneau. Mais alors que c'est une bête à l'intérieur. Le fait que les religions se rassemblent, pour nous, ce n'est pas une joie. Ne dites pas que comment, oh, plus tout ensemble, l'armanzam, mon corps. Non, tout chemin ne mène pas à Rome. Il y a des chemins qui ramènent à Mungali, n'est-ce pas? Tous, nous ne prions pas le même Dieu. Et regardez cette image qui m'avait beaucoup fait mal. Ici, nous voyons le pape avec les taïwanistes, les bouddhistes, les hindous. Toutes ces religions, Karabo Shamaraba Seketaya, Ibrahimo Shaya. Et nous voyons ici quelque chose que j'aime souligner. Eux tous, ils parlent au nom de la paix. Or, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:3, quand les gens diront paix et sûreté, une ruine certaine va descendre. Vous applaudissez quand vous voyez ces choses. C'est un signe que Jésus est en train de revenir. Vous voyez ces religions, ils parlent au nom de la paix. Ils ont écrit la paix dans toutes les langues. Peace, je ne sais pas, vrai de peace, passe. Toutes ces choses-là, ils ont écrit ça dans une langue pour dire simplement que nous tous venons au nom de la paix. Je ne prierai jamais avec un incirconcis. Je ne prierai jamais avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne croit pas en Jésus comme étant Seigneur et Sauveur sous prétexte qu'il y a d'autres sauveurs. Jésus est le seul qui donne la vie. Il est le seul et unique, il n'y a pas deux chemins. Ma chemin, il n'y a qu'un seul chemin qui est Jésus. Et c'est sur la base de la doctrine que nous sommes amis. Ce n'est pas sur la base de la révélation. Je vous dis, ce n'est pas sur la base de la révélation. Je peux donner 1500 révélations. Mais si la révélation n'est pas soutenue dans la doctrine, nous refusons ces choses-là. C'est la doctrine qui nous fait que nous soyons ensemble. C'est le fait que nous sommes soutenus dans la doctrine. Parce que la doctrine, c'est l'os. Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de manger l'os. Au collier en côté. Tu peux pourtant monter, mais il faut descendre la doctrine. Être soutenu dans la doctrine. Dire que c'est la doctrine de Christ. Et c'est celle que nous sommes en train de nous appuyer. C'est notre fondement. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, bâtissez pour vous, mais il faut bâtir selon le modèle. Dieu dira à Moïse, construis le tabernacle, mais construis d'après le modèle que tu as vu en haut. En haut, il y a un modèle. Il faut que nous puissions construire d'après le modèle. C'est la doctrine qui nous maintient en vie. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quand vous voyez ce terme apostasie, vous voyez l'œcuménisme, le fait que les religions sont en train d'être sont unanimes comme ça, ça veut dire que le pape, il prend la Bible. Il prend une gilette ou un ciseau. Il prend Actes 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel et sous la terre. Il coupe ça. Il prend Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il coupe ça. C'est couper des portions de la parole. En Israël, il était interdit de manger un animal qui est mort par étouffement. Il faut que l'animal meure, que le sang coule. Si le sang ne coule pas, nous ne mangerons pas cet animal. Ça veut dire que toute doctrine doit reposer sur le sang de Jésus. Le sang, c'est la mort. Par là, nous disons que nous croyons. Parce que nous, on se réjouit de la mort d'une personne. Il faut que quelqu'un meure pour que nous soyons en vie. Et Christ a accepté de mourir. Et nous sommes en vie. Et c'est ça notre force. Notre force, ce n'est pas ces religions. Est-ce que vous connaissez les forces de ces religions-là? Je vais définir tout à l'heure. Est-ce que je peux avancer avec vous? Alors, nous allons suivre tout à l'heure une vidéo. Non, s'il te plaît, pause. Mais d'abord, pause. Pause, s'il te plaît. Nous allons suivre une vidéo. Cette vidéo m'avait fait très mal. Et dans cette vidéo,
il y a le pape qui parle au nom de l'amour, pour dire que nous tous, nous prions le même Dieu. Nous allons suivre. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud. Il dit qu'il y a beaucoup de façons de voir Dieu. Est-ce que c'est vrai? Chrétien béréen, est-ce que c'est vrai? Il dit qu'il y a beaucoup de façons de pouvoir chercher Dieu. On peut être bouddhiste, on peut être musulman, on a sept façons de chercher Dieu. Est-ce que c'est vrai? Et maintenant, très souvent, par exemple, la musique, mon gars, c'est que pas que ça va bien. On va parler tout à l'heure de la musique. Oh non, j'aime ça. Nous allons parler de certaines réalités. Vous allez voir, il utilise, et très souvent, c'est comment? Très souvent, c'est comment? Quand ils prennent quelque chose comme ça, on met un son, même dans les dessins animés, vous savez, des parties où il est sarabaton, on rassemble ça, on met ça. Et là, on va prendre une chanson. Il est en train de dire des choses, vous avez comme l'impression que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Suivant. En este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Ça, c'est fou. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. La Biblia dice: Yo vi una bête montée. C'est ça la montée de la bête. Elle est déjà en train de monter. La religion mondiale, c'est tout ça. Nous tous ensemble, la ranzambe moko. Boyer en abîme pas ensemble. Bisso tout ensemble, la ranzambe moko. On prie un même Dieu. Et ça, c'est un signe majeur qui atteste que Jésus est en train de revenir. C'est au nom de l'amour. Au nom de l'amour que nous prenons ces choses. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne prie pas le même Dieu. Notre Dieu, c'est. Notre Dieu, c'est. Alors, nous allons suivre la cinquième partie. Il y a beaucoup de choses à dire. La cinquième. Voilà, c'est ça. Nous allons voir des coloquins sauvages. Comme vous le voyez dans l'image, vous voyez les coloquins sauvages. Qui connaît ça? La lingala des années. En lingala, c'est quoi? Les coloquins sauvages. Ça, c'est quoi? Concombre, on peut dire comme ça. Pas trop, hein? C'est quoi ça? Hein? C'est comme les courgettes, quelqu'un d'autre? Vous voyez, les coloquintes, c'est ça. C'est ça d'abord, ce sont des coloquintes. Maintenant, quand nous voyons dans 2 Rois 4, 38 à 39, je vais lire rapidement. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble? On peut lire ça ensemble. Deux Rois 4, 38 à 39. Merci Jésus, qui est dans la joie ce soir. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? L'homme le plus beau du monde, le sauveur de l'humanité. Deux Rois 4, 38 à 39. Je vais lire rapidement. Regardez ce que la Bible dit dans Deux Rois 4, 38 à 39. La Bible dit ceci, je peux lire? Non, Deux Rois, voilà, Deux Rois. Ce n'est pas Deux Samuel, hein, Deux Rois. Excusez-moi. Pour ceux qui ne connaissent pas Deux Rois, ça se trouve après Apocalypse. Quelqu'un est en train de chercher aussi. Alors, je lis rapidement. La Bible dit, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Retiens avec moi famine. Dis avec moi famine. Famine. Dis avec moi famine. Famine. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils et les prophètes.
Verset 19. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il cueillit des coloquintes, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où il était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit manger ces hommes. Dès qu'ils eurent mangé du potage, ils criaient : la mort est dans le. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc ici, nous voyons ici, j'aimerais vraiment beaucoup expliquer ça, parce que les coloquintes sauvages, c'est quelque chose qu'on va beaucoup expliquer. On voit qu'il y a un temps de la famine. Il y a la famine et le peuple est en train de chercher de quoi manger. Et soudain, il paraît Élisée qui dit au fils de préparer quelque chose dans la nourriture. Amen. De mettre un pot. Et quand ils ont préparé, il y a quelqu'un d'autre qui est parti à l'extérieur de prendre les produits, de prendre plutôt ce, je ne sais pas si on dira fruits ou bien légumes, de prendre ça. Et quand il a pris ce fruit, légumes, je crois légumes, hein, légumes, quand il a pris ce légume, il a mis ça dans le pot, c'est-à-dire que dans la marmite, par là, quelqu'un, quand il est arrivé, il a mangé, il a senti que c'était la mort. Donc ça signifie que quoi? La nourriture paraissait jolie, ça paraissait délicieuse, mais à l'intérieur, il y avait la mort. Donc c'était joli, c'est quelque chose qui est beau, que les oreilles aiment, quelque chose que nous tous nous aimons, mais à l'intérieur, ça ne donne pas la vie, c'est la mort. Voilà les coloquintes sauvages. Donc les coloquintes sauvages est tout enseignement qu'on pense être l'évangile de Christ alors qu'il n'est pas l'évangile de Christ. C'est un feu étranger, mais qui s'est fait passer comme l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen? Et le premier coloquinte sauvage, c'est ceci. Regardez ceci, qui est le premier coloquinte sauvage. C'est la croyance à l'égalité dans un foyer. Il n'y a plus des amens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui sont entrés à l'église. Et ces enseignements, c'est des enseignements des féministes. Et il brise le fondement du mariage. Écoutez, je ne parle pas de l'église. Non, moi je ne suis pas là, je ne parle pas de l'église. Je parle dans le foyer. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme est au-dessus de la femme. C'est quelque chose que vous n'allez jamais changer. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Quel que soit le mouvement féministe qui arrive avec un feu selon lequel parité, beaucoup de choses, c'est un feu étranger. Et cela satisfait la personne, satisfait l'âme. Mais cela n'est pas l'évangile de Christ. Mais attention, la femme n'est pas l'esclave de l'homme. Quelqu'un n'a pas dit amen? Voilà, mi balle peut valoir amen, non? Donc est-ce que je peux avancer? Et le diable, vous savez, il prend le foyer, il brise des principes du foyer pour faire ou mettre un feu étranger. Et cela aussi pareil aussi pour l'homme en termes aussi de déception amoureuse. Les hommes n'aiment pas que les femmes les trompent. Mais l'inverse, très souvent, on dit bon, on va laisser comme ça. J'aimerais vous dire que selon la parole, c'est des enseignements des païens. Nous, selon la parole, l'homme doit aimer sa femme, la femme doit aimer son homme. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et aujourd'hui, au sein de l'église, il y a cet enseignement qui est rentré. Mais cela est des coloquins sauvages. C'est un faux enseignement qui n'est pas un enseignement de Jésus. Voici ce que moi je dis. Nous allons voir cette image. L'équilibre. L'homme est le chef de la femme, mais la femme n'est pas l'esclave de l'homme. Il n'existe pas de couple parfait. Les problèmes sont inévitables dans un couple, mais la compréhension et l'entente brisent les querelles. La prière rend victorieux face à ceux qui veulent voir divorcer. Donc, il est très important de comprendre que, étant serviteur de Dieu, le foyer est quelque chose de très important. Et l'homme est au-dessus de la femme, mais ça ne fait pas que la femme devienne l'esclave de l'homme. Tout enseignement de la parité de l'ONU est un enseignement à balayer au sein de l'Église. Dans le foyer, Dieu a établi ces choses. Amen. Deuxièmement, ce qui constitue les coloquins sauvages, c'est l'évangile de l'estime de soi. Cet évangile n'est pas l'évangile de Christ. Vraiment, surtout pas. Surtout pas du tout.
L'évangile de l'estime de soi, parce que nous sommes au temps de la famille, l'aliment, c'est-à-dire que le billet est comme il passe. Et les gens commencent à avaler des enseignements qui pensent que c'est vraiment celui de Christ. C'est mélangé, mais ce n'est pas celui de Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen. La Bible ne parle pas de l'évangile de l'estime de soi. L'évangile, c'est un régnement de soi. L'évangile de soi, vous pensez aujourd'hui aux États-Unis, on ne prêche plus le vrai évangile. Quand ils mentent, c'est seulement, ils prêchent l'estime de soi. La Bible dit, au temps de la fin, les gens, en version anglaise, on dit, they will love themselves. Ils vont s'aimer soi-même. Au temps de la fin, là où le français dit égoïste, on dit, ils vont s'aimer soi-même au temps de la fin. L'évangile de l'estime de soi, il y a un homme qui a dit ceci, qu'une personne est en enfer lorsqu'elle a perdu son estime de soi. L'estime de soi rend les gens orgueilleux, puisque tu t'estimes valeureux simplement. Alors que l'évangile, c'est moi. Le moi, c'est à l'autel. C'est lui. Paul dit que si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui habite en moi. L'évangile de l'estime de soi, ça fait beau, ça fait sourire. C'est un humanisme religieux. On te fait croire, toi étant homme, tu es le Dieu de ta propre vie. C'est la déification de l'homme. L'homme devient comme un Dieu. Et cela, ça fait placer Dieu à part et ça met l'homme au cœur de toutes choses. Il y a un homme qui a dit, un prédicateur américain qui a dit, je ne prêcherai jamais la sanctification. Elle détruit l'estime de soi. Parce que l'évangile estime de soi, mais on ne te parlera pas du péché. Parce que le péché te détruit, d'après eux. Et vous allez voir aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui sont impudiques, qui sont à l'église, le pasteur ne prêche pas. Et quand ils viennent 20 000, 200 000 membres, vous vous dites réellement que ça c'est le vrai évangile. Mais quand vous écoutez ça, c'est l'estime de soi. Et c'est un évangile à balayer. Et c'est l'évangile qui rend les gens orgueilleux. C'est un humanisme religieux. Et ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce sont des coloquins sauvages. Le peuple est en train d'avaler ces choses-là, mais ce n'est pas l'évangile de Christ. Les signes de soi, c'est tes capacités. Le fait que tu sois capacité, que tu aies des capacités, des habiletés. Et Dieu est mis à côté, c'est toi l'homme qui devient le Dieu de ta propre vie. L'enseignement du New Age et des francs-maçons. Nous allons suivre tout à l'heure une vidéo, mais on la met pas encore. Et passe encore une vidéo où nous allons voir comment est-ce que les francs-maçons avalent cet enseignement. Ils aiment cet enseignement parce que ça met qui ça part. Ça met l'homme au centre de toutes choses. Estime de soi, c'est la prédication de Maslow, des psychologues de Freud qui a prêché sur le subconscient, le conscient. C'est des enseignements des francs-maçons qui sont embellis d'une bonne soupe. On prend ça, on prêche, on dit Jésus, c'est l'estime de soi. Ce sont des coloquins sauvages qui n'ont rien à voir à l'église. Jamais, jamais, jamais. L'évangile de Christ, c'est si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Nami Boma déjà. C'est lui qui vit en moi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Écoutez encore, on apprend aux gens de compter sur leur capacité. On enseigne tout sauf la nouvelle naissance. Très souvent, quand vous voyez, vous êtes dans ces églises de l'estime de soi, on ne prêche pas sur la nouvelle naissance. On prêche sur le fait que toi, tu as tes capacités et beaucoup de choses comme ça. La croix n'est pas la bienvenue, ce qui tue. Un évangile qui rime avec le confort de l'homme. Genre, tu es dans ton péché, mais viens pour toi à l'église. J'aimerais dire à un pécheur aujourd'hui, ce que obimiawa, oyambiye soute, okufi, okeli felo. Qui n'a pas dit amen. Vous savez, une portion de la vérité n'est pas vérité. Jamais. Tu peux prendre le nom de Jésus. Écoutez, ce n'est pas aussi parce que quelqu'un vous prêche la sanctification qui vit dans la sanctification. Il est possible de prêcher la sanctification en utilisant le nom de Jésus, mais aux autres, tu utilises ça simplement comme un signe pour montrer aux gens que n'a pas rappelé Zambie, alors que tu ne crains pas Dieu. Le problème n'est pas de dire la sanctification. L'évangile de l'estime de soi, c'est cet évangile-là. On te laisse dans ton confort et ce sont des coloquins sauvages. Et cela est de même avec l'évangile de différentes personnes. J'aimerais apprécier quelque chose. Ici, je parle dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Je parle dans l'enceinte de l'église. Je ne suis pas hors de l'église. Je ne dis pas que
le développement personnel, l'estime de soi est mauvais. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Je dis au sein de l'Église de Christ. Paul le dit, si quelqu'un d'autre vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit maudit. Ici, nous parlons de l'évangile. Et la Bible nous dit qu'il y avait un jardin qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Le fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Le fleuve, c'est la parole. Éden, c'est notre bien-aimé. Donc, ça veut dire que tout enseignement qui doit arroser l'Église doit sortir de notre bien-aimé. Ça doit sortir de Christ pour arroser nos vies. Tout enseignement qui n'est pas sorti d'Éden, on ne peut pas prendre ça. Tout enseignement qui ne vient pas de Christ est un enseignement à rejeter. Alors, nous allons suivre une vidéo, suivez, où il y a un franc-maçon qui explique ceci sous l'estime de soi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont des valeurs universelles, donc de tolérance, de respect des autres, d'amour de son prochain, un certain nombre de valeurs humanistes, ce sont des engagements que vous prenez déjà pour travailler sur vous-même, parce que le but de la franc-maçonnerie est de s'améliorer soi pour ensuite pouvoir améliorer... Vous voyez, le but de la franc-maçonnerie, c'est de s'améliorer soi. Ça veut dire que ce sont des enseignements qui sont de la franc-maçonnerie, mais qui entrent au sein de l'Église avec le nom de Jésus. L'Évangile, c'est que ce n'est pas que tu crois seulement sur tes capacités. Ce n'est pas seulement que tu crois que tu es capable de faire. Oui, c'est bien. Mais l'évangile de Jésus, c'est que toi, tu dois compter sur lui. Paul, le Seigneur a dit à Paul, « Paul, ma grâce te suffit. » C'est ça le plus important. C'est ça cet évangile qui est rentré à l'Église. Et nous allons voir la sixième des choses. La doctrine de l'enfer qui n'existe pas. Ça, c'est aussi une apostasie. Aujourd'hui, nous avons dans l'enceinte de beaucoup de congrégations. Est-ce que vous voulez que je dise la vérité? Il y a des gens qui supportent la vérité ici. Et la doctrine de l'enfer n'existe pas, c'est un enseignement des témoins de Jéhovah. Dans les témoins de Jéhovah, quand ils prêchent, ils te disent que Dieu est tellement trop amour pour voir les gens mourir en enfer. Donc il est tellement trop bon que lui, pour lui, les gens en enfer, c'est quelque chose que, voilà, il ne voit pas les gens mourir en enfer. Écoutez, l'enfer existe, qu'on ne vous montre pas. Le Dieu qui est bon, c'est le même Dieu qui est juste. Il a donné à l'homme la possibilité d'être sauvé. Et j'aimerais dire à quelqu'un que l'enfer est la base même, je crois, de notre prédication. Vous savez pourquoi? Parce que refuser l'enseignement de l'enfer est refuser que Jésus était mort. Est refuser que Jésus a dépouillé Satan. Est refuser que Jésus est venu sauver les gens du péché. C'est le fait d'avaler comme ça. Et j'aimerais dire, la doctrine de l'enfer n'existe pas. C'est ça quelque chose que nous devons rejeter. Parce que l'enfer existe. Et si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, l'enfer t'attend. Mais attention, l'enfer est un lieu que Dieu n'avait jamais prévu pour les hommes. Matthieu 25, 41 dit que l'enfer est un lieu que Dieu avait prévu pour qui? Pour Satan et ses démons. Mais ceux qui suivent sa voie, ils partent là-bas dans ce lieu. Donc comment dire que l'enfer n'existe pas? Et ces prédications sont des prédications qu'on doit rejeter au sein de l'Église de Jésus. Et ce sont aussi des colloquins sauvages. Ça fait plaisir hein, à l'homme charnel. Frère, continue ton péché, l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Septième des choses, Jésus n'est que le Dieu des Blancs. Nzamba Bangunza, Nzamba Bakimbangiste. Donc il n'est que le Dieu des Blancs. Et nous, les Noirs, on a un autre Dieu. Qui veut entendre ces choses-là? Et nous, on n'a que notre Dieu. Notre Dieu, c'est les dieux noirs. J'aimerais vous dire, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la possibilité à quiconque, quiconque. Jésus n'est pas que le Dieu des Blancs. Je vais vous donner deux choses. Est-ce que vous savez que l'Afrique a reçu l'Évangile avant l'Europe? L'Afrique a reçu l'Évangile avant l'Europe. Et l'Afrique a reçu même Jésus avant les Européens. Parce que Jésus, quand il était, il avait combien? Une année, quelques mois, on l'a pris, on l'a amené en Égypte. L'Égypte est arabe. Écoutez, même l'eunuque éthiopien, il était qui? Qu'on ne vous dise pas qu'on a reçu l'évangile, c'est les Européens. C'est faux.
Jésus n'est pas que le Dieu des blancs, Jésus est le Dieu de l'humanité entière. Et cet enseignement qui vous fait comprendre que Jésus n'est que le Dieu des blancs, ce sont des coloquins sauvages. Mais on dit encore, et l'un des versets favoris des musulmans, c'est Matthieu 15, 22. Il dit ceci, la Bible dit ceci dans Matthieu 15, 22, que Jésus n'est venu que pour Israël. Il n'est venu qu'aux brebis perdues d'Israël. Et ils aiment ça, ils aiment ce verset. Même les Kimbanguistes aiment ce verset. Pour eux, Jésus n'est seulement venu que pour Israël. D'après ce verset, oui, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais c'est le mouvement de Ouza. Ouza, la Bible dit que l'arche partait quelque part. Il fallait que Ouza touche et que l'arche tombe. Quand Ouza a été frappé, l'arche a changé de direction. Et Ouza, c'est l'image de Jésus. L'arche partait comme ça, mais puisque Jésus a touché, Christ doit être pendu au bois du calvaire. Et l'arche a changé de direction. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il a tourné son dos vers nous, les gens des nations. Il a tourné ses yeux vers un mangalophone. Oh, j'aime cet homme merveilleux. Et pour là, nous disons que Jésus est le Dieu de l'humanité entière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que tu sois africain. Et les gens disent aussi que l'évangile là, c'est un évangile, que on appelle que Jésus n'est venu que pour les blancs parce que c'est l'évangile de la colonisation. Mais est-ce que vous savez que Jésus a vécu dans une période où il y avait la colonisation? Même Israël, Jésus a vécu la période où Israël était colonisé. Donc c'est pour dire, ne dites pas que cet enseignement selon lequel que Jésus est le Dieu des blancs, ça favorise, comment on appelle, l'impérialisme, tout ce qui s'est fait. Les blancs sont arrivés, ainsi de suite. J'aimerais dire que les blancs ne nous ont pas apporté l'évangile de Jésus. L'évangile a été porté par les 12 apôtres. Et c'est eux qui nous ont prêché. Jésus est le Dieu de l'humanité entière. Le sang de Christ, ce n'était pas un sang qui était de couleur jaune, c'était un sang rouge. Et toute l'humanité, nous croyons en Jésus, nous avons la vie en Jésus-Christ. Alors, nous allons voir encore la deuxième étape. C'est là où nous allons faire rapidement. On repart là. Voilà. Deuxièmement, la perversion sexuelle. Ça nous semble le paroxysme de l'iniquité. Le paroxysme, c'est quelque chose qui est au sommet, quelque chose élevé, n'est-ce pas? Le paroxysme. Alors, le diable utilise principalement trois choses pour détruire les hommes. Il utilise le sexe, l'argent et le succès, ou la gloire. Il obtient ces choses en passant par trois choses. La convoitise, la chair et le monde. 1 Jean 2, 17. En parlant du sexe, il l'utilise comme un outil de destruction des vies et une porte d'entrée des démons. Vous savez que le sexe est une porte. Alléluia. J'aimerais dire que l'avortement est un péché. Et dans beaucoup de pays en Europe, le droit d'avortement, c'est possible. C'est possible que tu avortes. Le droit d'avortement pousse encore des gens à la débauche. Vous savez, j'ai reçu le témoignage d'un docteur qui avorte. Et il dit qu'un jour, deux fois quand il arrive à la maison, dans son salon, il voit des bébés en train de pleurer. Il voit des bébés en train de pleurer. Toi qui es dans ces choses, je prie que le Seigneur te fasse grâce ce soir. Ce soir, l'évangile, c'est pour toi. L'évangile, c'est pour toi.
L'avortement est quelque chose que le Seigneur condamne systématiquement. Et ça, nous n'allons jamais mâcher des mots sur ça. Et que le Seigneur nous pardonne de tous les crimes que nous avons faits. Deuxième des choses, c'est la prostitution. Il existe des pays qui ont réglementé la prostitution comme un travail. En offrant aux travailleuses de sexe des avantages sociaux et de santé, en Autriche, par exemple, les prostituées sont inscrites et subissent des examens. Donc, tu es prostituée, c'est ton travail. Mais pour d'autres, on se dit que bon, on embellit le travail. Ça, c'est des signes. Ils ont l'accueil, ils sont à bientôt. Et on voit aussi, par exemple, il existe aujourd'hui la prostitution moderne. Vous savez, la prostitution moderne, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens pensent que la prostitution signifie le fait seulement que quelqu'un qui vend son corps, une femme qui vend son corps, ou bien c'est pas un homme qui vend son corps dehors. Mais la prostitution moderne, c'est le fait que toi, une femme, tu as trois hommes. Tu es en train de gérer trois bureaux. C'est la prostitution. La prostitution, ce n'est pas seulement le fait qu'il y ait des gens qui sont dans certains coins. Non. Toi, une femme, même quand tu gères deux hommes, tu es prostituée. Et c'est une prostitution moderne. Nous allons suivre encore. Il y a troisièmement la paraphilie. La paraphilie, c'est quoi? C'est là où vraiment j'aimerais que Nagna Beta c'était. La paraphilie, c'est toute attraction ou pratique sexuelle qui diffère des sexuels considérés comme normales. Et ce sont des démons. Des démons que le diable envoie pour séduire des gens. Parce que le diable utilise le sexe comme une porte d'entrée pour détruire des vies de beaucoup de personnes. Et la paraphilie, c'est une relation qui n'est pas considérée d'anormal, quelque chose qui est considéré d'anormal, quelque chose, une relation, une sexualité, allais-je dire, qui n'est pas normale. Et premièrement, nous avons la zoophilie. La zoophilie, c'est toute attraction aux animaux, des gens qui aiment toute attraction sexuelle, spécialement aux animaux. Vous voyez comment est-ce que le diable est en train de posséder des gens. Vous allez voir en Europe, c'est parce que je n'ai pas ces images, un homme, une femme s'est mariée avec un chien. La zoophilie est un signe majeur qui atteste que Jésus, d'ailleurs Dieu a toujours connu ça dans la Bible, il dit tu ne coucheras jamais avec un animal. Nous avons la pédophilie. La pédophilie, c'est le fait, c'est une préférence sexuelle aux mineurs. Et ça, c'est une perversion que le diable utilise. D'ailleurs, la plupart des hommes d'affaires en Europe sont des pédophiles. Et ce n'est pas quelque chose de normal. C'est des esprits mauvais qui habitent ces personnes, qui les poussent à aimer des mineurs. Quand tu penses que tu as ces gants, tu n'aimes que des mineurs, des gens d'un certain âge. Ça, c'est des possessions sataniques. On a le feutérisme. Le feutérisme, c'est les gens qui aiment toujours être, ils sont excités, poussés sexuellement quand ils sont avec des gens dans un bus, baso serré batouane. Le flotterisme, ça c'est un esprit aussi. Et le diable utilise ça. Surtout ce qui arrive là, le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est des gens qui, il faut qu'ils voient seulement une femme. Ils ne peuvent pas voir une femme marcher. Il faut seulement qu'ils regardent la femme. Et c'est un esprit mauvais. Et le diable utilise ça. On a l'ombrophilie. L'ombrophilie, tout ça sont des esprits négatifs. Mais le français définit ça. L'ombrophilie, c'est toute tendance sexuelle ou stimulation sexuelle envers la pluie. Donc quand il pleut, bizarrement, les gens deviennent excités sexuellement. Et ça, ce sont des esprits négatifs. Amen. Ce sont des esprits. Ils sont des esprits qui contrôlent, qui dominent. On a la xénophilie. Ah, oh, surtout. La xénophilie, c'est toute tendance sexuelle envers que les étrangers. Olingakaba étrangers. Des gens qui n'aiment que les étrangers. C'est-à-dire que pour eux, Congolais, ils n'aiment pas les Congolais, ils aiment que les étrangers. Tu verras quelqu'un qui t'aime, qui veut de toi réellement un homme, mais après ce qui se passera, c'est que Aza Congolais. C'est la xénophilie. On a ensuite la tonophilie. La tonophilie, c'est toute excitation sexuelle envers des dessins animés. Et le diable utilise ces choses. Il y a des gens qui sont comme ça. On a la téléophilie, ça surtout.
La télophilie, c'est toute excitation sexuelle pendant un culte ou une cérémonie religieuse. C'est-à-dire que Moto, quand il voit un pasteur prêcher, il aime que les pasteurs. Donc, c'est-à-dire que lui, quand il voit, c'est-à-dire que lui, ce n'est que le... On soit pasteur, modérateur, lui, c'est que ça. Et toi, tu te dis que, oh, moi, j'aime que les hommes de Dieu. Ce sont des tendances sexuelles qui sont menées par le diable. On a la sorophilie. La sorophilie, c'est des gens qui aiment que les sœurs des autres. Aningaka, sœur Yabato Moussousou. Il y a des gens comme ça, ils sont possédés. Et pour eux, ils se disent, c'est normal, normal. Quand tu présentes sa sœur, derrière, il va demander le numéro de ta sœur. Et ça, ce sont des tendances sexuelles que le diable a placées. Et ce sont des démons. Vous savez, la Bible dit que le diable a attiré un tiers des démons. Et ces démons, ils sont entrés dans beaucoup de choses, dans la politique, dans la musique, et aussi dans les tendances des perversions sexuelles. On a la zingénophilie. Là, non, le potangopé. Gingéné. Ah, bon, vous avez compris. Ok, c'est ça. Vous avez compris? Et ça, c'est toute tendance sexuelle envers les parents des autres. Des gens qui aiment que les parents. Eux, pour eux, Al-Ngaraba, parents, les parents de son frère, de son ami, et ainsi de suite. Et pour eux, ils se disent, c'est normal. On a la sokéraphilie, les gens qui aiment que les beaux-parents. C'est des tendances. Et on a la moriaphilie. La moriaphilie, c'est toute personne qui aime raconter que toute chose qui est liée au sexe. On a toujours connu un ami comme ça. C'est un homme qui est possédé par un esprit. Il n'aime que parler de tout, tout sauf rien. Et la moriaphilie est entrée même dans les films. On va expliquer ces choses tout à l'heure. L'infotophilie, oh ça j'avais très mal. Je crois que le frère Fuse ou la soeur Sabina m'avait montré quelque chose. Infotophilie, c'est un homme qui aime que les filles de 0 à 3 ans. Je crois que c'est le frère Richie. Il y avait une fille à Bakongo, je crois, où il y a un homme qui avait abusé d'elle avec 2 ans, je crois. Le diable utilise ces choses pour pervertir les gens. On a la gérontophilie. La gérontophilie, c'est les gens qui n'aiment que les personnes âgées. Ils n'aiment que les personnes âgées. Et pour vous, en Europe, on va vous dire, c'est normal, ces choses, mais c'est l'amour. Toutes ces choses sont des tendances que le diable utilise. On a encore ceci, et encore plus grave que ça, la choréophilie. Des gens qui sont stimulés sexuellement quand ils dansent. Ou quand il voit les autres danser. Vous voyez la perfection du diable. Il utilise ses choses, ses moyens. On a ensuite l'autovoxiphilie. S'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît. L'autovoxiphilie, c'est toute personne, quand il chante, il aime quand il chante. Et il est excité sexuellement quand il chante. On a la gamaltophilie, des gens qui aiment que des mannequins. Que des mannequins. Ensuite, on a la pictophilie qui est liée à tout ce qui est considéré des films X. Et il y a des chrétiens qui utilisent ou suivent ces films. Ce sont des choses qui détruisent la puissance de Christ au sein de l'Église. J'ai été choqué. Aujourd'hui, je crois, je faisais des recherches. J'ai vu, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai vu pornographie chrétienne. J'ai dit, Seigneur. Le diable est en train d'utiliser ces choses. Église, nous sommes au temps de la fin. Jésus est en train de revenir. On a les LGBT. Les LGBT, vous avez demandé, LGBT signifie quoi? Ça signifie lesbienne, ça c'est en anglais, gay, bisexuel, transgender. Premièrement, l'homosexualité, c'est toute attirance envers des personnes de même sexe. J'aimerais vous dire que l'homosexualité est condamnable. Que l'Europe, le monde refuse ça. Nous, selon la parole, nous disons que ces choses sont condamnables. On a la bisexualité, l'attirance, et tout ça sont des esprits négatifs. Vous allez voir, en Europe, il y a orientation sexuelle. Vous savez que ça existe, non? Orientation sexuelle, c'est le fait que quand tu nais, on ne te donne pas ton sexe. On dit non, toi-même, quand tu seras, on décide de ton sexe. Toi-même, à l'état civil, on ne met plus. Au Canada, par exemple, je crois que c'est ça,
y a quelque chose comme ça. Quand tu nais, on ne met plus ton sexe. On te laisse jusqu'à ce que toi-même tu vas grandir, tu décides le sexe que tu veux. Vous voyez ces choses-là? Et quand on veut, et toi chrétien, tu vas voir, tu vas suivre Kardashian, le papa de Kardashian là, je ne sais pas qui, et toi tu es là. Ce sont des choses que le diable est en train d'utiliser autant nous sommes. Que Dieu nous délivre de cette génération. Je dis quelqu'un, que Dieu te délivre de cette génération. Alors regardez cette vidéo. Regardez ceci. Vous le connaissez? Attendez. Lui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était un homme. Bon, il est un homme, parce qu'il n'est pas devenu une femme. Vous voyez comment il est? Il était un bel homme, oh Seigneur. Bon, là, il a fait une opération, il est devenu une femme. Donc ça, c'est lui. Et il dit, Colby Kathleen. Je crois son prénom, c'est quoi, son vrai prénom? Bruce Jenner. Maintenant, là, c'est Kathleen. Donc, on l'appelle Kathleen Komba Banabasi. Appelez-moi Kathleen. Donc, ça, c'est elle. C'est lui. C'est lui. Pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai dit c'est elle? Parce que quand vous rentrez dans Wikipédia, vous tapez son nom, on dit elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Put play. Regardez ce qui s'est passé. Il était comme ça. Regardez comment il était. Et là, il est devenu une femme. C'était un gagneur aux Jeux Olympiques. Regardez comment il est devenu. Ça, c'est lui. Un bel homme. Regardez comment est-ce qu'il est devenu. Regardez comment le diable utilise les gens. Ça, il est avec sa femme, mais là, il a changé avec ses enfants. C'est bon. Que Dieu nous délivre de cette génération. Jésus est en train de revenir. Regardez maintenant cette seconde vidéo. Regardez celle-ci. Ça, ici, nous sommes en Thaïlande. Regardez. Tiens le plus haut. Boy a débuté sa carrière il y a 7 ans. Non, pause. Tu peux remettre... à plus play, je te dirais de mettre pause. Aujourd'hui, c'est l'un des mannequins les plus célèbres de Thaïlande. Attendez. Voilà, maintenant, pause. Si je vous disais que c'était un homme. Donc, c'est un homme. Je dis bien c'est un homme. Je précise, je dis que c'est un homme. Un homme, depuis qu'il était... Il était très... Vous avez compris. Bon, vous avez compris. Alléluia! Alléluia! Alors, regardez, c'est un homme mais qui s'est métamorphosé en prenant beaucoup de choses. Regardez. Apostasie. C'est une profession. Celui-là, regardez. Oh Seigneur, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Pause. Rababashi. Oh Seigneur Jésus. Délivre-nous de cette génération, Seigneur. Délivre-nous, s'il te plaît, Seigneur. Oh Jésus. C'est un homme qui est devenu une femme. Et il a fait une opération. Maintenant, regardez celui-là. Regardez, là, il est encore homme. Entre parenthèses, il est encore homme. Et regardez ce qui se passe. Je veux que le docteur fasse de son mieux pour faire de moi une femme. Il pleure même. Bill est ému. Pause. Maintenant, quand il pleure, il explique quelque chose de très important. Écoutez, il explique, il dit que, oh Seigneur, il dit qu'il a économisé pendant beaucoup de temps pour cette opération. Et quand nous, on voit ces choses, Église, est-ce qu'on va se limiter à nous tuer? Tu prends un serviteur, tu commences à le tuer. Soutenons-nous, prions pour des âmes, sortons, évangélisons. Jésus est en train de revenir. Regardez ce qui se passe. Il économise pour pouvoir s'offrir son changement de sexe. 65 000 bahts, soit 1 200 euros. 1 200 euros, ça fait combien en CFA? Ça fait près de 1 200 euros. 700 000, bon, 700, 800 000 hein, par là. Hein? 700 et quelques mille par là. Donc, il a pris 700 et quelques mille à épargner. Et d'une famille pauvre. Allez, on y va? Fois moins cher qu'à la clinique de luxe. Ok, on y va. Mais à ce prix-là, pas le temps de s'attarder. Oui. Ici, chaque changement de sexe se termine par un rituel étonnant. Pause. Donc là on dit happy birthday to you. Donc à outro botama. Hein? Ah Seigneur. On y va? Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Bienvenue, petite fille. Bienvenue, Bi. Merci. Que Dieu suscite des docteurs chrétiens. Ce sont nos anciens patients qui nous ont appris cette tradition. Elles marquent leur passage d'un corps d'homme à un corps de femme. Aujourd'hui, c'est le jour où elle devient femme à part entière. Elle est heureuse. Sa vie a changé. Oh, c'est comme une renaissance. Est-ce qu'on peut mettre un peu? Sa vie a changé. Église, qu'est-ce que nous, quand nous voyons ces choses, qu'est-ce que nous nous disons? Que Christ est sur la, il est en train de revenir. Que Dieu suscite des docteurs chrétiens. Des gens qui vont refuser certaines choses. Maintenant, regardez la vidéo qui suit. Attendez. Dans l'éducation. Ils entrent même dans l'éducation. Regardez ce qui se passe dans l'éducation. Comment est-ce que le mouvement LGBT... S'il te plaît. Comment est-ce que le mouvement LGBT, le diable utilise ça et entre ça aussi dans l'éducation. La raison pour laquelle que Dieu suscite des gens qui ont des écoles chrétiennes, des écoles qui enseignent l'évangile de Christ, même au sein. Parce que nos enfants ne doivent pas suivre ces choses. Maintenant, regardez ce qui se passe. Un président de la République, regardez ce qu'il dit. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Hein? Aujourd'hui, oui, tu peux. Je veux à la télé. Remets en arrière. Non, non, reviens. Mets comme ça, après tu reviens. S'il te plaît. Voilà, c'est bon. Attendez. Suivez. Écoutez ce qu'il dit. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Hein? Aujourd'hui, oui, tu peux. Écoutez, écoutez. Tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles. Qui voudrait changer de sexe? À l'âge... Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc la mondialisation, c'est aussi un des signes qui atteste que Jésus revient bientôt. C'est là où je vais faire rapidement. La mondialisation, c'est comme c'est l'ensemble des processus économiques, technologiques qui met en ce que nous sommes ensemble. La Bible dit dans Ecclésiaste 1:9 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ça veut dire que tout ce qui existe, c'est ce qui a été. Amen. Et nous voyons la tour de Babel dans Genèse 11:1. La Bible dit qu'il y avait une tour de Babel. Les gens avaient une même langue et un même peuple. J'avais vous dire aujourd'hui, qui connaît la langue internationale? L'anglais. C'est l'anglais. La langue internationale. Donc la tour de Babel, la tour c'est la religion et la ville c'est l'économie. Donc quand on dit la tour de Babel, c'est le fait que la religion se réunit, l'économie ou la politique se réunit. J'aimerais dire, quand la religion se mêle à la politique, c'est un mauvais signe. La tour de Babel est l'unification du monde dans tous les domaines. C'est le fait que le monde devient un seul. Et ça, c'est aussi un signe majeur qui prouve que Jésus revient bientôt. Premièrement, nous avons des institutions comme l'ONU. Tout est mondial. Vous avez la Banque mondiale, le gouvernement mondial, même dans les trucs d'aéroport, OACI, l'aviation mondiale. Quoi encore? Citez-moi un truc mondial. Lié au mondial. Il y a quoi encore? OMC, beaucoup de choses. Il y a des sommets nationaux, des sommets internationaux. Tout le monde devient en un seul village. Un seul village. Aujourd'hui, les gens parlent la même langue, la civilisation. Les jeunes ne parlent que la même langue sur le sexe, l'argent, et ainsi de suite. On a les inventions technologiques, financières et les centres commerciaux. Les inventions technologiques, c'est par exemple, j'aimerais vous dire par exemple, je vais prendre Mobile Man. Est-ce que vous savez que même le fait qu'il y ait Mobile Man est un signe qui prouve que Jésus revient bientôt? Je vais vous démontrer ça. Même Western Union. Vous savez que la Bible a parlé de ces choses-là. La Bible a parlé de Western Union de Mobile Man. Regardez ce que la Bible dit.
La Bible dit que quand les deux témoins vont finir leur course, la Bible dit que quand ils vont mourir, les gens partout dans le monde vont se faire des cadeaux. Ils vont se faire ça comment? C'est des transferts, non? Donc quand vous voyez qu'il y a Western Union, Mobile Money, toutes ces choses qui arrivent, ce sont des signes qui montrent que Jésus est en train de revenir. Parce que le monde devient un seul village planétaire. Tout est tourné autour d'une seule chose. Alléluia. Nous voyons encore ceci, regardez. La génération tête baissée, la connectivité Internet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui forment ce qu'on appelle l'idolâtrie moderne. Beaucoup aujourd'hui nous sommes devenus fans des réseaux sociaux. Je dirais même que les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de vies chrétiennes. Les gens ne prient plus, ils passent leur temps dans les réseaux sociaux. Vous savez, quand j'étais en train de faire des recherches personnellement, j'ai été oppressé par les réseaux sociaux. Et que je fais des recherches, il y a WhatsApp qui sonne. Ah, Seigneur, je t'en crois. Les réseaux, il y a des gens qui ne prient plus. Ils sont là connectés 24 heures sur 24. Nous avons une génération de tête baissée, toujours avec le téléphone. Les réseaux sociaux sont d'une bonne utilité, n'est-ce pas? Ça nous aide à être connectés, ça aide à beaucoup de choses. Mais c'est un danger, un très grand danger. Vous savez pourquoi? Parce que dans les réseaux sociaux ou dans le réseau social, le thème qui apparaît, c'est paraître. Les gens aiment paraître. Moi, je veux paraître. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que l'Antichrist va faire quoi? Il veut aussi paraître. Dans les réseaux sociaux, tu veux que tout le monde te voit. Et on t'observe, créant le buzz. Et ce sont des choses que les francs-maçons ont placées dans le but de pervertir les chrétiens. Est-ce que vous doutez de ça? Je veux montrer maintenant, regardez ce qui se passe. Regardez, les propres créateurs des réseaux sociaux, eux-mêmes, ceux qui ont créé des réseaux sociaux, interdisent leurs enfants l'utilité des réseaux sociaux. Écoutez, avant de mettre la vidéo, j'aimerais dire ceci. Les réseaux sociaux sont très importants. Ça nous aide dans beaucoup de choses, mais c'est un danger. Ainsi, Jésus, la croix était païenne, mais Jésus a utilisé la croix pour pouvoir faire de son plan salvateur. Donc, les réseaux sociaux, s'ils sont mauvais, il faut qu'on utilise ça pour la bonne cause. On ne peut pas utiliser les réseaux sociaux pour se clasher. Regardez les propriétaires des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux-mêmes, les propriétaires des réseaux sociaux, ceux qui ont créé les réseaux sociaux, regardez ce qu'ils disent. C'est un peu pareil. Les créateurs des réseaux sociaux ne likent plus ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Tim Cook, patron d'Apple, dans le journal The Guardian, en janvier. Je ne veux pas que mon neveu utilise les réseaux sociaux. Jaron Lanier, pionnier de la réalité virtuelle et qui vient de publier 10 arguments pour quitter les réseaux sociaux tout de suite. Je ne peux plus appeler ça des réseaux sociaux. Je les appelle des empires de modification du comportement. Ouais. Et désormais, voilà, vu le temps, on ne va pas suivre ça. On assume ouvert. Et après, il dira quelque chose. Il dit qu'ils ont créé même les j'aime. Ils ont créé ça pour le but. Vous savez, quand on te met un j'aime sur ta photo, ça te fait quelque chose, n'est-ce pas? Honnêtement. Je suis sur la chaîne. Honnêtement, non, Toko Samate. Alléluia! Quand tu publies une photo, on met j'aime, surtout tomate là, hein? J'adore. Quand on met ça, personnellement, ça te fait quelque chose. Oh Seigneur, ils ont dit que quand ils créent des réseaux sociaux, ils créent ça avec des psychologues. Donc, ils jouent sur le mental des gens. Ils savent que quand tu mets tomate, ça te pousse à être connecté encore. Et encore loin dans la vidéo, est-ce qu'on peut suivre ça rapidement? Regardez. D'avoir manipulé les cerveaux. Tristan Harris, ancien ingénieur de Google. Dans les années 70, quand vous parliez au téléphone, il n'y avait pas des centaines d'ingénieurs de l'autre côté de l'écran qui savaient parfaitement comment fonctionne votre psychologie. C'est bon. Comment fonctionne votre psychologie? Ainsi, quand nous utilisons les réseaux sociaux, utilisons ça dans un autre but, pas dans le but de se clasher ou dans le but de suivre des futilités. Et encore loin, il faut encore, parce qu'on ne va pas suivre ça, il dit que les réseaux sociaux ont été créés. Il y a aussi, vous voyez, quand tu suis une vidéo, ça te balance dans une autre vidéo, sur Facebook par exemple, ou même sur YouTube. Il dit qu'eux, ils ont fait ça, le but c'est de te faire, de garder au maximum là, d'être connecté. Et en même temps, vous savez que l'Église, la Bible parle des réseaux sociaux.
parmi un des signes, la Bible dit que quand l'Antichrist, comment on appelle, le faux prophète va mourir, la Bible dit que son corps sera vu de partout dans le monde. C'est comment? Mais c'est les WhatsApp aujourd'hui. Au travers WhatsApp, si quelqu'un meurt, on prend une photo, on envoie à l'étranger. Ce sont des signes qui attestent que Jésus revient bientôt. On y va au suivant. Le gouvernement mondial. Dans le gouvernement mondial, depuis la création de la tour de Babel, le diable a toujours voulu que les gens l'adorent. Aujourd'hui, le diable est en train d'instituer un gouvernement mondial. Le diable est un profiteur qui veut. Il y aura un gouvernement mondial. Donc aujourd'hui, on voit l'OMS et l'ONU, ainsi de suite. C'est des signes qui prouvent que Jésus revient bientôt. Nous voyons ce qui suit. Regardez très bien ce qui suit. Dans le dollar américain, dans 1 dollar, j'en ai même ici. Derrière le 1 dollar, il y a ce que vous voyez là. Il y a Novus Ordo, ça veut dire, Nouvel Ordre Mondial. Et celui qui avait mis cela, c'est Roosevelt, des années 1935. Et Roosevelt est l'une des pièces maîtresses de la création de l'ONU. C'est-à-dire que quand il était en train de mettre même le 1 dollar, il pensait déjà à un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial s'est prophétisé dans la parole. Et dans le gouvernement mondial, toutes les nations seront unies seront conduites par l'Antichrist. Donc le fait que vous voyez les sommets, les nations, tout ce que vous voyez là, ce sont des signes qui approuvent que Jésus est en train de revenir très très bientôt. Maintenant, regardons ce qui suit. Voilà, nous allons passer rapidement la croix gammée puisqu'on n'a plus assez de temps. La croix gammée est Hitler. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors je vais ici parler un peu de la croix gammée. La croix gammée, vous avez vu ça le thème. Vous vous êtes posé la question, c'est quoi la croix gammée? Je vais rapidement signifier ce que est la croix gammée. Le Vatican, c'est un symbole qui est utilisé beaucoup dans beaucoup de pays. Et la grande question ici, c'est pourquoi est-ce que Hitler avait utilisé ce symbole? Vous voyez ici à gauche, vous voyez, il y a le symbole de Hitler. La croix gammée, c'était un symbole qui était utilisé, le Vatican, dans beaucoup de traditions, par exemple dans le cœur de Bouddha. Vous voyez ici Bouddha avec le truc. Et il y a aussi, voilà, ça c'est Bouddha qui a le truc. Maintenant, la croix gammée, vous voyez aussi dans le marteau de Thor, il y a aussi une croix comme ça. Et en Europe, par exemple, quand tu portes, par exemple, la croix gammée ou bien un symbole de la croix gammée, tu es passif de 1500 euros d'amende. Je vais expliquer rapidement. Quand tu vois quelqu'un comme Hitler, c'était quelqu'un qui a tué beaucoup de monde. On met la suivante d'abord, le B, après on va revenir là. Hitler était un homme qui a tué beaucoup de personnes. Hitler était quelqu'un qui a tué, qui était la cause de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez avec moi que Hitler a eu à tuer plus de 6 millions de juifs, pour ceux qui ont étudié l'histoire. Hitler était un homme qui était sadique. On revient avec le A, s'il vous plaît, le A d'abord. Et Hitler, quand il créait son parti, le logo qu'il a utilisé, c'était cette croix que vous voyez là. Cette croix qu'on appelle la croix gammée. Mais pourquoi est-ce que Hitler avait utilisé cette croix? Premièrement, il faut savoir que Hitler était un homme qui était fan de quelqu'un qu'on appelait Guido von List. Guido von List, quand vous tapez sur Google Guido, G-U-I-D-O, c'était, dans Wikipédia, le définit comme un sataniste. Il était sataniste, c'est un très grand sataniste. C'était quelqu'un qui pratiquait de la magie noire. Et Hitler était influencé par cet homme-là. Il le prenait comme un modèle. Il aimait tellement cet homme-là. Et Guido von List était quelqu'un qui était lié à une religion qu'on appelle l'armanisme. L'armanisme, c'est une religion qui vient du védisme vers l'Asie et beaucoup de ces choses-là. Et Guido von List était quelqu'un qui avait la haine des Juifs, ce qu'on appelle l'antisémitisme. Vous voyez, vous entendez l'antisémitisme. Et ce personne-là était un sataniste avoué qui, pour lui, il avait des secrets de l'humanité qui détenait, qu'il était en train d'adorer des anciens dieux grecs qu'on appelait Wotan ou bien le dieu qu'on appelle Odin, le papa de Thor. C'est des dieux dans la mythologie germanique, des dieux où Thor est le dieu tonnerre et beaucoup de ces choses comme ça. Et Guido von List, cet homme-là, il avait fait le culte de Satan. Il avait voué même aussi, évidemment, un jour, il était dans une église, il a voué son culte à ce dieu-là. Et quand il a grandi, il a bâti une secte qu'on appelait l'armanisme.
Et cette secte-là était une secte qui croyait au fait que les Allemands étaient une race supérieure. Et les autres races étaient des sous-races, comme des Juifs, des chrétiens, des Africains, ainsi de suite. Donc lui, il se disait que toutes les autres races étaient des sous-races et il y avait une race qui était supérieure, la race aryenne. Et le symbole de la race aryenne, c'était ce que vous voyez à l'intérieur, qui est ce symbole-là, où vous voyez une croix à l'intérieur. Et Hitler était quelqu'un, quand il était encore, il était en train de chercher dans son parti, il cherchait un symbole. Il a utilisé beaucoup de symboles. Mais Hitler est arrivé à la conclusion qu'il doit mettre seulement ce symbole-là, où vous voyez une croix qui est gammée, et à l'intérieur, il y a du blanc et il y a du rouge à l'intérieur. La croix gammée, c'était le symbole pour lui de la race aryenne, qui pour lui était une race supérieure. Hitler croyait que la race allemande, la race aryenne, était la plus grande des races, et les autres races étaient des sous-races. Donc Hitler était, autrement dit, stimulé par la théologie de Guido von List. Et nous voyons que la croix gammée a été retrouvée dans les reliques, par exemple, dans le cœur de Bouddha, parce que son Guido von List, qui était comme le père de Hitler, le mentor de Hitler, était un homme qui pratiquait un peu ces choses-là. Vous allez voir, vous savez la différence entre le bouddhisme et l'hindouisme, par exemple. C'est très important de connaître ces petites différences. Dans l'hindouisme, le fait c'est qu'ils ont un dieu qu'on appelle Brahma, le dieu entre parenthèses créateur, et il y a d'autres dieux, il y a Dieu Vishnu, Krishna, les dieux, vous savez, ils ont beaucoup de dieux, par exemple Ganesh, c'est un dieu, éléphant, ils ont beaucoup de choses comme ça. Et eux, ils croient à la doctrine de la réincarnation. Pour eux, la réincarnation, c'est-à-dire que quand tu es là, un jour tu vas mourir, si tu n'es pas marché dans une bonne vie, tu es appelé à renaître de nouveau, à renaître dans un autre corps. Il croit à la doctrine de la réincarnation. Et cet homme-là avait pris cela, Guido von List, il a pris cela comme une doctrine pour dire que lui-même, il était une réincarnation. Et Hitler, quand il est arrivé au pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir, Hitler lui-même se croyait qu'il était comme une réincarnation de beaucoup de divinités. Hitler était un homme qui a tué beaucoup de personnes. Vous savez, Hitler était emprisonné de 1923 à 24. C'est un homme qui est arrivé dans une période de crise. J'aimerais expliquer quelque chose. Hitler est l'image de l'Antichrist. Non, remets d'abord. Est l'image de l'Antichrist. Pourquoi? Il est l'homme de l'Antichrist. Il avait la haine des Juifs. Il considérait pour lui que les Juifs étaient comme des fléaux, étaient des hommes à part. C'est un despote. Très souvent, les gens n'aiment pas les despotes. Mais Hitler était adulé de tout le monde. Les gens applaudissaient Hitler. Hitler réveillait des hommes. Quand il parlait, il réveillait des hommes. Mais cet homme-là a eu à tuer 6 millions de Juifs. Pourquoi est-ce que je prends Hitler et je parle d'Hitler? Parce que c'est la même chose avec l'Antichrist qui arrivera. Quand l'Antichrist arrivera, l'Antichrist aussi fera des mêmes choses. L'Antichrist viendra dans un temps de crise. L'Antichrist viendra dans un temps où le peuple sera dans la famine. L'Antichrist aura la haine des Juifs. Hitler avait tué plus de 6 millions de Juifs. Le plus grand génocide, c'est le fait qu'il a tué plus de 6 millions de Juifs et considéré les Juifs comme des pestes, comme une race à part. Et vous savez que l'antisémitisme, ça vient de Satan. Nous, les chrétiens, nous aimons les Juifs. Et nous devons aimer les Juifs. Hitler utilise cela pour détruire le fait que parce qu'il sait que Jésus reviendra. Et Satan est contre les Juifs parce que le salut vient des Juifs. Et Hitler, quand il était en prison, il a écrit un livre qu'on appelait Mein Kampf. On met rapidement. Il a écrit un livre qu'on appelle Mein Kampf. Mein Kampf, c'était mon combat. Dans la prison de 1923 à 24, écoutez, très bien, je suis en train de chuter, il écrit ce livre, où dans ce livre, c'est le livre le plus aimé des musulmans. Les musulmans aiment ce livre parce que ce livre raconte la haine des Juifs. Et c'est la seule traduction, dans la traduction arabique, ça c'est en arabe, on met la photo d'Hitler, on traduit ça en arabe. Dans ce livre, Hitler démontre la haine des Juifs.
Vous savez, le diable pousse les gens à haïr les Juifs parce qu'on sait que Jésus reviendra sur la montagne de la transfiguration. Christ reviendra. Jésus reviendra. Israël doit pleurer Christ et Christ doit revenir pour sauver Israël. Mais le diable est en train de bannir Israël de la carte du monde. Avec beaucoup de choses. Il veut bannir Israël de la carte du monde. Mais regardez ce qui se passe. C'est que Hitler, on va passer cette vidéo rapidement puisqu'on a plus assez de temps. Dans cette vidéo, on voit comment est-ce que Hitler tuait des gens. On ne montre pas carrément comment est-ce qu'il tuait, mais il prenait des gens. C'était un homme sadique qui n'avait pas un cœur. Il prenait des gens, il les mettait dans les gaz. Et dans le gaz, dans une chambre, il allumait. Et les gens étaient là en train de mourir, et spécialement des Juifs, sous prétexte que les Juifs étaient la sous-race et qu'il y avait une race supérieure, la race aryenne. Et cela sera la même chose avec l'Antichrist. L'Antichrist ne va pas aimer les Juifs, il va détester les Juifs. La Bible dit que ce qui était, c'est ce qui sera. Nous suivons ceci. Regardez encore. Ici, regardez ce que vous le connaissez. Qui le connaît? Qui le connaît? C'est qui? Benjamin Netanyahu. Écoutez, suivez. Benjamin Netanyahu, écoutez ce qu'il dit. Il dit quelque chose, regardez. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haji Amin al-Husseini went to Hitler. C'est bon, on m'épouse. C'est-à-dire, ici, il explique quelque chose. Il dit que Hitler ne voulait pas tuer les Juifs pour lui. Pour lui, c'est le fait qu'il y avait un moufti. Le moufti, c'était un chef comme un musulman, comme un prêtre musulman ou bien un imam musulman de Jérusalem qui avait poussé Hitler. Hitler était dans beaucoup de choses. Il était dans beaucoup de religions. Il a rassemblé l'islam, il a rassemblé beaucoup de religions. Il aimait l'islam beaucoup. Et par là, nous allons voir comment est-ce que l'islam est une pièce que le diable est en train d'utiliser autant nous sommes pour détruire les vies de beaucoup de personnes. Vous êtes avec moi? Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Non, remettons d'abord derrière. Il dit que Hitler ne voulait pas tuer les Juifs. Pour lui, Hitler voulait simplement expulser les Juifs. Mais c'est le grand imam qui a poussé à vouloir tuer les Juifs. Maintenant, regardez ceci. Le Christ-l'âme. Quelqu'un avec moi? Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de l'islam? Et pourquoi est-ce que nous utilisons l'islam? On voit le fait qu'il y a eu un mariage entre Hitler et l'islam. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Le Christ-l'âme, c'est une religion voilà, entre le christianisme et l'islam. Dans l'affiche, je voulais mettre islam, mais je n'ai pas voulu mettre islam de peur que ça heurte de peur de beaucoup de choses. Parce que simplement, on devait peut-être sur Facebook signaler le truc. J'ai mis Christ-l'âme, mais Christ-l'âme, je parlerai beaucoup de l'islam. Vraiment, j'aimerais parler beaucoup de cette religion. L'islam est la deuxième plus grande religion du monde. 1,8 million des adeptes. Et l'islam, c'est une religion d'après qui a été transmise à Mahomet, entre parenthèses, par l'ange Gabriel. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. Mais l'islam est une religion qui n'a pas été suscitée par Dieu. Dieu n'a jamais suscité l'islam. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. L'islam est bâti par 5 piliers principaux. Il y a l'attestation de la foi, la prière, ainsi de suite. Et pour eux, dans l'islam, la Bible et la Torah sont falsifiées. Et pour l'islam, nous, les chrétiens, nous sommes des mécréants. Nous sommes dans la fausseté. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ils croient pas. Vous savez que l'islam ne croit pas que Jésus est mort. Vous le savez? Dans la sourate 4, verset 157, il dit ceci que c'est pas Jésus. À la croix, ce n'était pas Jésus, c'était un sosie qu'on avait pris, on a mis à la place de Jésus. Et cette religion a beaucoup d'adeptes. 1,8 million d'adeptes. Et aujourd'hui, l'Europe est en train d'embrasser cette religion. D'embraser cette religion. Et cette religion est une grande stratégie de l'ennemi autant nous sommes. Les musulmans, s'ils ne reçoivent pas Jésus, ils ne sont pas sauvés. Tous ne prions pas le même Dieu. Et dans l'islam, dans la sourate 3:14, ils ont ce qu'on appelle la shahada. La shahada, vous savez, c'est le fait qu'eux, ils croient que quand quelqu'un meurt, en faisant le bien pour Allah, il va au ciel et il a 72 vierges qui l'attendent.
Regardez ceci. Ici, on voit, je crois, un imam qui est en train de prêcher la haine. Regardez ce qu'il dit. Il prêche la haine en disant ceci. Il dit l'Amérique est leur président, les États-Unis. Les Juifs. Toutes les, oh, vous, les nations de Mohamed. Nous allons jeter la pierre. Nous allons dire un Juif se cache ici. Allons là-bas, coupons-lui la tête. Nous allons prendre cette épée. Nous allons détruire, couper la tête aux Juifs. Ils disent Allah Akbar. Quand on dit Allah Akbar, ça signifie que Dieu, pour eux, Dieu est grand. Mais le Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Allah n'est pas Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible ne connaît pas la tolérance, ne connaît pas ces choses-là. Le Dieu de la Bible ne connaît pas ces choses. Mettons le second qui suit, rapidement. Non. Ce qui suit, rapidement. Regardez, pourquoi est-ce que nous parlons de l'islam? Parce que l'islam, il dit ceci, l'islam va dominer le monde. Ils veulent dominer le monde. L'islam est une grande stratégie, autant nous sommes, pour divertir et détruire beaucoup de personnes. Pour eux, ils veulent dominer le monde avec le Coran. Et nous, chrétiens, nous devons voir cela dans un angle prophétique. L'islam est une religion qui ne prie pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas Allah. Regardez encore ce qui suit. Vous voyez, dans chaque drapeau de l'islam, dans chaque mosquée, il y a ceci. Il y a le croissant de lune et une étoile. Le croissant de lune que vous voyez là, c'est un ancien dieu qu'on appelait Sin, ou le dieu Ubal, qui est devenu Baal-ou. Après, bien après, Baal est devenu Allah. Et ce dieu, c'était un dieu de la lune. Vous allez voir que les musulmans utilisent le calendrier lunaire. Quand ils font le ramadan, ils utilisent le calendrier lunaire. Ils ne prient pas le dieu de la Bible. Le dieu que l'islam prie, c'est ce dieu. Et il y a ce qu'on appelle une étoile qui est symbole des quatre piliers de l'islam pour eux. Et ça, ce n'est pas le dieu de la Bible. Ainsi, ne dites jamais « Inch'Allah ». Inch'Allah, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ce Dieu avait trois femmes. Le Coran le dit dans Sourate 53, 10, je crois. On dit qu'il avait trois filles, Allah, Mena, et ainsi de suite. Et pour la petite histoire, regardez ce qui suit d'abord. La petite histoire, vous savez ça, non? Vous connaissez ça? C'est la Kaaba. Ça, c'est le centre de l'islam. Là où les musulmans viennent de partout dans le monde, ils viennent ici, ils touchent ici. Quand ils touchent ici, ça veut dire que quoi? Leurs péchés sont pardonnés. Et d'après eux, ceci a été bâti par Abraham. Cela est faux. Cela n'a pas été bâti par Abraham. Aucun scientifique, même des archéologues, ils n'ont jamais trouvé une source qui rattache ça à Abraham. Et ça, c'est la Mecque. Quand les musulmans prient, ils prient en direction de la Mecque. Et j'aimerais dire que ce lieu est un lieu des idoles. Les musulmans n'adorent pas le Dieu de la Bible. Ils n'adorent pas le Dieu de la Bible. Ils prient quand ils prient en direction. Ils ne prient pas en direction du véritable Dieu de la Bible. Et ça, ce n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce qui suit encore. Rapidement. Le Coran, non. Le Coran, qui pour eux est un livre divin, parce que le Coran n'est pas un livre divin. D'après eux, le Coran a été transmis à Mahomet de bouche à oreille, non, par l'ange Gabriel. Écoutez, le Coran est un ramassis de beaucoup d'erreurs. Et deuxièmement, le Coran est aussi un livre qui n'a pas été inspiré par Dieu. Dieu n'a pas inspiré le Coran. Et pour eux, quelqu'un même dit qu'il a plagié la Bible, il a pris la Bible et il a plagié ça. Regardez, le verbe katala veut dire combattre à mort avec l'intention de tuer. Et ce mot est répété 65 fois dans le Coran. 165 versets ordonnent aux hommes de recourir à la violence dans le Coran. 185 versets ordonnent de répondre l'islam par la force à l'armée dans le Coran. Il y a 200 mentions du feu éternel en termes d'atroce dans le Coran. Et il y a 949 menaces contre les insoumis, les mécréants. Pour l'islam, les mécréants, c'est toi et moi, nous sommes des mécréants. Vous pensez que ce livre est de Dieu? La Bible est la seule parole de Dieu. Regardez encore ceci. Quand on essaie de comparer Mohamed à Mahomet à Jésus, il n'y a pas match. Moïse a dit ne pas tuer, Jésus n'a pas tué.
il était vie, la vérité. Quand vous essayez de comparer la vie de Mohamed, Mohamed, vous savez que Mohamed avait épousé une fille de 9 ans qui s'appelait Aïcha. Il a pris cette fille à 6 ans, après il l'a épousée à 9 ans, il l'a mis dans le foyer à 9 ans. Mahomet n'est pas un prophète, il n'est pas le dernier des prophètes. Mahomet n'est pas celui qui continue le ministère de Jésus. Jésus n'a pas un autre qui doit l'accompagner, il est le seul et unique. Regardez encore ce qui suit. Voilà, c'est là où je vais chuter, c'est la fin. Le mystère de l'iniquité. Amen. La fin. Le mystère de l'iniquité, qu'est-ce que signifie l'iniquité? L'iniquité signifie la corruption ou l'adoration en faveur des autres dieux ou de Satan. Donc le mystère de l'iniquité est quelque chose qui est caché. Quelque chose que seuls les initiés comprennent le sens, mais cela est codé. Donc ici, quand on parle de l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, dans Exode, c'est l'adoration de changer de destinataire. Voilà. L'adoration qui était réservée à Dieu, on change cela, on donne ça à une autre personne. Et nous allons voir le mystère de l'iniquité dans la musique. Ça, c'est la fin d'ailleurs. Premièrement, l'origine de la musique. Vous savez avec moi que la musique, le seul but de la musique, ça a été créé pour l'adoration. Amen. Nous sommes à la fin. Suivez cette partie, s'il vous plaît. Le seul but de la musique a été créé pour l'adoration. Donc, quand Dieu créait la musique, il n'avait pas créé ça pour quelque chose d'autre, mais c'était pour l'adoration. Mais le diable utilise cette musique pour pervertir. Et vous allez voir que les chansons du monde, on utilise les mêmes choses. On utilise les mêmes instruments, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La concert a fallu un piano. Hein? Il y a un piano, non? Ils ont à peine la guitare. Ils ont tout, non? On utilise les mêmes instruments de musique. Mais les instruments de musique, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a fait là? Dans Samuel, la Bible dit que quand il était en train de jouer à la guitare, Samuel, il y avait David, il y avait un esprit, c'est ça, non? Un esprit qui. Saoul, non? Saoul, il y avait un esprit qui l'agitait. Voyez, l'instrument de musique peut être une portée. Et la musique est très dangereuse quand elle n'est pas donnée à la véritable personne. Le diable a compris ça. Du coup, le diable n'a jamais changé le but de la musique. Il a simplement perverti le but de la musique. Parce que le but de la musique, c'est l'adoration. Et lui, il a pris l'adoration. C'est l'adoration de l'argent, du sexe et de la gloire. Les jeunes ne parlent que de ça. Dans toutes les chansons mondaines, presque c'est ça. Le contenu des chansons. Aujourd'hui, quand tu suis la télé, tu ne peux pas suivre, par exemple, une télé avec ton enfant. Tu seras traumatisé par certaines images. Tous ces clips-là, ces paroles, ne sont que là sur les mêmes choses. Les messages subliminaux. Aujourd'hui, dans beaucoup de chansons mondaines, ils cachent des messages subliminaux. Ils disent quelque chose d'autre, alors que la chose-là a un contraire. La transmission de messages, histoire vécue. Dans certains clips, par exemple, il était braqueur, il chante ces choses-là. Et j'aimerais dire quelque chose. Un chrétien né de nouveau ne peut pas écouter ni chanter les chansons mondaines. Un chrétien né de nouveau ne peut pas chanter, écouter, danser. Écouter, bien sûr, on l'écoute. Danser ces chansons mondaines, car elles ne glorifient pas le Dieu de la Bible. Elle détruit les bonnes mœurs par la douceur, le calme. On prend une chanson, vous savez, une des chansons comme le Zouk, c'est des chansons avec des conseils, des chansons, vous avez comme l'impression que ça peut te toucher, mais alors qu'elle te détruit, c'est une porte du diable à beaucoup de personnes. Le but de la musique a été fait pour adorer Dieu. Et ça, nous sommes catégoriques là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur virginité à cause d'une chanson, mais ils ne se sont pas rendus compte. Récemment, je passais, j'ai écouté une chanson, quelqu'un qui disait « Tiens, Azem ». Et les gens chantent ça, et pour eux, c'est normal. Alors que ce sont des messages que le diable utilise. Amen. Et permets-moi de dominer par l'ouverture en chantant des démons. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît. C'est l'avant-dernière vidéo. Regardez. Ici, vous connaissez, il y a une fille qui s'appelle Aya Nakamura.
Et cette fille, elle chante dans sa chanson, elle dit, le diable m'a possédé. Regardez ceci. M'a coincé, je sais plus comment faire. Le chétan m'a bloqué dans une salle d'affaires. Le chétan m'a bloqué. Je savais ce que je faisais. Je savais ce que moi je faisais. Donc elle savait ce qu'elle faisait. Elle a signé un pacte avec le diable et le diable l'a bloqué. Elle savait ce qu'elle faisait. Et toi, quand tu penses ces choses, tu chantes ça. Pour toi, ouais, tu chantes, le diable m'a bloqué. Et depuis, on a appelé le diable pas bloqué, Pégayo. Alléluia. Regardez. Regardez. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue, ouais. Ça, c'est une fille qui s'appelle Nicki Minaj. Elle dit qu'elle est possédée par un esprit. Elle-même, elle dit ça. Elle dit, Roman, c'est un garçon qui habite en moi. On y va, rapidement. Hein? He says the things il me dit des choses que je ne veux pas dire. C'est lui-même qui me pousse à dire ça. You know, just a few months ago. Il est né il y a quelques mois. I think he was born out je pense rage. Qu'il est né ou conçu dans la colère, alors il dénigre tout le monde. Je pense qu'il est né de la rage. Il menace de frapper les gens. Il est violent. Donc, il dit qu'il est possédé par un esprit. Je lui ai dit de quitter mon corps. Mais il est là pour une raison. Les gens l'ont fait sortir, les gens ont fait appel à lui, donc il ne partira pas. Regardez cet esprit, comment il se manifeste maintenant en elle. Regardez comment cet esprit se manifeste en elle. Là, c'est quand elle chante. Elle est possédée par Roman. Regardez comment ce que Roman se manifeste en elle. Elle est en train de chanter, elle est possédée. Sasha was in full effect. Mais pause. Sûrement, vous la connaissez. Elle dit que quand elle chante, ce n'est pas elle qui chante. Elle dit que c'est Sasha qui chante. Regardez ce qu'elle dit. Sasha is my alter ego. Regardez. And when people see me, et quand les gens me voient, sometimes I think they're, ils pensent qu'ils me racontent, when they voilà, meet ils parlent me avec and moi. They speak with me, they're expecting ils attendent Sasha. Sasha. C'est pas moi. And I'm really kind of shy and not really shy, but more reserved and nothing like Sasha. Elle dit qu'elle, elle n'a rien à voir avec Sasha. Et c'est Sasha. Donc quand elle chante, elle est sous scène, ce n'est pas elle qui chante, mais c'est Sasha qui chante. Elle dit si elle-même, dans la vraie vie comme ça, elle dit qu'elle est timide. Mais elle ne comprend pas quand elle monte sur la chair et... Ok. Alléluia! Quand elle monte, c'est Sasha qui chante. Alléluia! Alléluia! Alors, regardez ceci, c'est ça la fin. Regardons maintenant ceci. Voilà. Attendez, ici c'est très grave. Et non. Très grave, c'est très grave ce qu'on va suivre. Et le diable par la musique, aujourd'hui nous allons voir la cause des bébés noirs. La cause des conflits entre les Américains et les Arabes. La cause de beaucoup de ces choses. Comment est-ce que le diable a eu à détruire ou à pervertir une génération? C'est par la musique. Ces chants qui chantent là, ces chanteurs qui chantent là, ils sont des gens qui ont signé des pactes avec beaucoup de puissance. Ils chantent. Et celui-là, regardez ce qu'il dit par rapport au conflit qu'ils ont eu à voir. Celui-là, c'est un très très grand qui est dans les conflits des Américains et des Arabes. D'ailleurs, c'était un Didier. Il est celui qui est parmi les auteurs de ce conflit entre les Américains et les Arabes. Écoutez ce qu'il dit par rapport à la musique. Un peu ça. Non, on te dit. Ceux qui font le banditisme. Ceux qui font le banditisme. Et ceux qui font de la musique, comment ils s'associent? Ceux qui font le banditisme et ceux qui font de la musique. Ceux qui font le banditisme viennent voir ceux qui font de la musique en leur donnant de l'argent pour le dédicacer. Pour le dédicacer. Parfois, ils viennent pour imposer. Ils disent que la nouvelle chanson que tu vas faire, si tu ne me dédicaces pas, je vais te blesser. Soit je vais te couper par la machette, soit je vais te faire tabasser. Vu que moi, je n'ai plus de possibilité de battre. Lui, si vous l'avez, il avait deux pieds. Après, il a eu un pied parce que c'est par rapport à ce qu'il avait eu. Maintenant, écoutez très bien ce qu'il dit. Regardez. Défendre. Je suis obligé de me soumettre à leurs conditions. Voilà pourquoi tout le temps, je me sens toujours menacé. Je suis à Brazzaville, je suis à Wendy, je suis à Mongali.
J'essaie de m'échapper d'eux. Mais non seulement ça, le banditisme et la musique ne concordent pas. C'est deux choses différentes. Il y a des Américains qui font la musique, il y a aussi les Américains qui font le banditisme. Mais ce qui est sûr, le message passe rapidement par ceux qui font la musique. On me pose. Vous avez vu? Le message passe par ceux qui font de la musique. Donc, ce n'est pas la musique. Et un peu plus loin, il dira que quand ils font de la musique, ils s'envoient des codes, c'est dans la musique. Ils chantent des chansons, ils s'envoient des codes. Et c'est comme des virus. Vous allez voir aujourd'hui à Brazzaville des quartiers américains, des quartiers arabes, n'est-ce pas? Des quartiers américains arabes. Et il dit que pour lui, il dit, l'une des causes, c'est quand ils chantent. Ils peuvent, ils arrivent quelque part comme ça. Et, mais d'ailleurs, même la cause de leur séparation, c'était la musique. Ils étaient, il y avait des DJ. D'ailleurs, nous sommes ici dans la zone où il y a eu les Américains et les Arabes. Il y avait de l'autre côté des Américains avec lui et de ce côté-ci des Arabes. Et ils étaient tous ensemble, ils chantaient, il y avait les DJ. Et quand ils chantaient, je crois à cause de ce qu'il a dit un moment ou deux chansons qu'ils avaient chantées, mais après ils ont eu beaucoup de choses, des disputes. Après c'est parti comme ça, ils sont partis en clash. De l'autre côté, c'est devenu des Américains, des Arabes, et beaucoup de personnes sont en train de mourir. Mais l'un des messages, ça passe par la musique. Ainsi, toi, quand tu écoutes une musique, tu dois comprendre l'originalité de cette musique. Une musique, on peut transmettre des messages dans l'enceinte d'une chanson. Ainsi, toute chanson qui n'a pas pour fondation la doctrine de Christ ne doit pas être chantée. Tu vas chanter la chanson de Fali, la chanson de je ne sais pas qui, des chansons qui sont des fois possédées par beaucoup de types d'esprits. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et la fin, c'est cette vidéo. Regardez très bien, le mystère de l'iniquité dans l'enceinte de la cinématographie. Voilà, je vais rapidement, dans la cinématographie, aujourd'hui, on revient comme ça, dans la cinématographie, aujourd'hui, le diable agit dans le cinéma. Écoutez, il y a des films de fiction. Très souvent, la plupart des films de fiction... Écoutez, la Bible dit que le diable animait l'image dans le but de faire quoi? Que tout le peuple adore la bête. N'est-ce pas? C'est ça, non? N'est-ce pas les lecteurs de la parole? Donc, que tout le peuple adore la bête. Maintenant, regardez, dans les films aujourd'hui, des films fiction, il y a beaucoup de films fiction qu'il ne faut pas suivre. Je vous dis la vérité. C'est des films qui emmènent et qui pervertissent des enfants. Regardez, par exemple, des films fiction ou soit des films magiques comme Harry Potter. Des yoga. Ces films, c'est des portes à la magie. Et le diable utilise ça. Après, il y a des messages, des musiques douces pour vous embrouiller. Le film du super-héros. Aujourd'hui, dans tous les films, je veux dire, dans tous les films, on ne passe pas un film sans pourtant avoir l'idée d'un sauveur dans un film. Des films de super-héros. Vous allez voir que Spider-Man, quoi encore. Tous ces films-là, très souvent, ça arrive, c'est toujours comment? Le monde était dans un chaos. Après, il y a eu quelqu'un qui est arrivé qui a sauvé le monde. C'est toujours comme ça. N'est-ce pas? Je vous défie, hein? Suivez tous ces films-là. Le monde était toujours dans un chaos, il y avait un assassin. Après, il y a un héros qui arrive, il va tuer l'assassin-là, le monde aura la paix. On est en train, aujourd'hui, quand tu prends un enfant, tu dis entre Jésus et Hulk, il va dire que Hulk est plus fort. Ou bien même, comment s'appelle Spider-Man? On est en train d'enlever cela. Et pour vous, pour nous, vous savez, dans des films, par exemple, il est plus facile pour nous de dire que non, allez, ça c'est une publicité. Quand une voiture passe, oh non, on a fait une publicité. Mais des messages subliminaux, on est incapable de détecter cela. Mais si c'est la publicité, c'est la publicité. Ces films-là, on enlève l'idée du sauveur dans les films. Les films action, la bagarre, moi personnellement, regardez dans les films d'action, il y a la bagarre par exemple. Et ces choses-là peuvent aussi avoir de l'effet sur nous. Je m'appelle quand je suivais souvent le film de Jackie Chan, ça me poussait aussi à me battre. Oh, bien que je n'étais pas trop fort. Le péché dans les films. 99,99% des films aujourd'hui ne manquent pas une partie où les gens s'embrassent. Je vais le dire en français. Je vais le dire même en français. 99% des films ne peuvent pas passer sans pourtant de voir au moins une partie où les gens s'embrassent. Et il y a des gens qui sont tombés dans ce péché à cause de ces pratiques-là, de ces films. Le diable insère le mystère de l'iniquité aussi dans les films. L'impact des mots dans les vocabulaires. Aujourd'hui, par exemple, Naruto, on va voir, ne même pas encore, Naruto, par exemple, il est possédé par un homme. On peut mettre Naruto, s'il vous plaît?
Ici, on voit Naruto, qui est un dessin animé. Il est possédé par un démon. Mais regardez ici son truc, il y a 666 là. Et il est possédé par un démon. La meilleure façon pour nous, aujourd'hui, on prend des mots qui sont démoniaques, on met ça. Oh, il est possédé par un démon renard. Ah, Naruto, il a un démon renard. Et d'ailleurs, moi, je disais ça. On est content que quelqu'un soit possédé par un démon renard. Alors que ces dessins, on pense que c'est inoffensif, mais des grands signes des temps de la fin. Amen. La dernière ici, c'est la toute dernière, cette vidéo, voilà, ici, 6-6. Vous voyez, ça c'est le Genjutsu, quelque chose comme ça. Voilà, Sharingan. Vous voyez, ici il y a 6-6-6. Regardez, le 6-6-6. Si vous voyez très bien, c'est des 6-6-6, des films, des choses comme des Naruto qu'il ne faut jamais donner à vos enfants. J'avais aimé le frère Etienne qui est là. Je crois un jour, le frère Etienne disait que des dessins comme des petits diables, c'est des dessins de foi, il ne faut pas souvent laisser vos enfants suivre ça. Je vous dis, mes enfants ne seront pas des petits diables, jamais, jamais. Voilà, ça c'est la fin. C'est la fin, cette vidéo c'est la toute dernière. Et dans cette vidéo, nous allons suivre... Attends, non, vous connaissez et vous serez scandalisés par cette vidéo. Très, très scandalisés. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on voit comment ce que le diable utilise cela. Et ça c'est le dessin animé que tout le monde en a aimé, que j'ai aimé, que tu as aimé. C'est Sangoku. Et dans ce dessin animé, regardez ce qui se passe, il y a ceci. À la fin, que Sangoku réussit à le détruire avec l'aide de Satan, Monsieur Satan, encore une fois. On m'impose. Bon, au fait, on ne s'est pas rendu compte, hein, c'était Satan. Vous voyez, c'est ça, c'est parce qu'on appelle, c'est ça ce qu'on appelle mystère. Au fait, même moi, quand je suivais, je me suis dit, oh, mais je suivais ça. C'est ça qu'on appelle mystère. Bon, moi, non, attendez, vous êtes encore beaucoup scandalisés. Donc, il y avait un monsieur qui s'appelait Satan. Et il y avait aussi Satan petit cœur. Dans un Satan qui a un petit cœur, il est bon. Bon, il y avait aussi des démons. Bon, mais derrière dans Naruto, puisqu'il est possédé d'un démon, il est bon. Il a un démon à 9 queues. Vous voyez One Piece? Vous connaissez One Piece? L'un des dessins les plus sataniques au monde. Vous voyez par exemple The Lion King, Simba. Ce film, ce dessin, on aura la possibilité, parce que cette conférence, on ne peut pas faire ça en un séjour, la possibilité de faire une conférence peut-être d'une semaine. Qui est prêt pour cette conférence d'une semaine peut-être? Et dans ce dessin animé de One Piece, c'est de la pure sorcellerie. Je dirais de Simba. Dans Simba, vous allez voir Simba, c'est papa Simba, quand il a la raboué, il y a quelque chose qui écrit la sexe. Et celui qui a écrit Simba, c'était un homosexuel. Suivant d'abord, regardez. Qui, pour le coup, a gardé son nom durant l'épisode. Et Son Goku demanda donc à toute l'humanité de prêter leur force à sa super technique, le Genji Kama, afin de détruire définitivement... Donc, le Genji Kama, ok, vous avez compris, c'est le fait que... vous voyez, Son Goku, quand il arrive à... Il est dans le dessin. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend le monde entier, vous voyez, il veut viser ça. C'est ça qu'on appelle le Genjutama, c'est ça. Et ce dessin a été écrit par un homme qui est satanique. Cet homme-là est satanique. Vous savez, pour ceux qui font tout ce qui est multimédia, il y a une différence entre un réalisateur et un scénariste. Le réalisateur, c'est celui qui a réalisé la chose. Mais le scénariste, c'est celui qui a donné le scénario. Parce que tout film, dessin, c'est à base d'un scénario, d'une scène, d'une situation, d'un événement. Et le scénariste là, c'était un franc-maçon, le scénariste de Dragon Ball Z. Mais regardez. Le démon Boubou. Le peuple de la Terre étant méfiant à Son Goku parce qu'ils ne le connaissent pas et sa voix ne leur est pas familière. Ce fut donc autour de Hercule, Monsieur Satan. Donc ce fut donc autour de Monsieur Satan, héros populaire, et pour avoir soi-disant sauvé la Terre de l'ancien ennemi Cell, mais c'était un mensonge médiatique. Donc Monsieur Satan dut demander cette faveur, et il a fallu que l'humanité entière entende la voix de Monsieur Satan pour qu'il s'exécute et puisse prêter main forte à Sangoku. Et nous assistons alors à une scène hallucinante lorsque le peuple de la Terre crie en chœur Satan, 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 vive Satan, vive Satan, vive Satan. Bon, et il n'y a que moi que ça choque ou quoi? Monsieur Toriyama, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement? Vous avez voulu montrer à quel point c'était cool de glorifier Monsieur Satan? D'inconscient! Pourquoi il nous a traités là? Une bande d'inconscients? On parle pas comme ça aux gens à qui on manque de l'aide! Ne faites pas attention à ce type!
espèce, espèce de mouton ignorant. J'en ai assez entendu comme ça. Arrêtez de jacasser et obéissez. Ou bien allez-vous aussi ignorer la demande du grand monsieur Satan. Oh, c'est monsieur Satan. On met en pause. Donc ici c'est une adoration à Satan. On dit c'est monsieur Satan, on y va. Ton Dieu, maman, c'est la voix de monsieur Satan. Vraiment, tu en es sûr? Hein, monsieur Satan? Eh, t'as raison, c'est bien la voix de monsieur Satan qu'on vient d'entendre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Spécialement à en parler, mais puisque vous êtes maintenant au courant, je m'apprête effectivement en ce moment même à vaincre le terrible bouffe. Alors envoyez toute votre énergie sans discuter. Je n'avais pas le choix. Pour mes fans, je suis la seule personne à pouvoir les sauver. La seule personne à pouvoir les sauver. Se débarrasser de vous, notre priorité absolue, pas vrai? Maintenant, regardez. Écoutez très bien. Pourquoi donc, d'après vous, il fallait... Vous voyez ? Ça, c'est la prophétie, déjà de la parole, qui dit que tous les habitants de la terre l'adoreront. Nos enfants, on doit veiller à ce qu'eux, ils doivent suivre. Des dessins animés, des films. Que Dieu vous bénisse.